Bon, je vous propose que nous commencions, mesdames et messieurs, chers collègues, puisque nous avons rempli le quorum. Tiens, je salue particulièrement les personnes, qu'il s'agisse des collègues ou des agents des assemblées, que j'ai oublié de saluer au milieu de... dans la travée centrale, pardon, mais en tout cas, bonsoir. Voilà, nous avons donc un certain nombre de pouvoirs. Patrick Jeannenez a donné pouvoir à Nathalie Bouris, Sonia de la Provoté, lorsqu'elle partira, à Aristide Olivier, Gilles Déterville a donné pouvoir à Niane, Ginette Bernière à Virginie Avis, Monsieur Henri m'a laissé son pouvoir, Gérard Hurel à Richard Le Caplin, lorsqu'il partira, enfin lorsque Gérard partira, Camille Brou va arriver, et pour le moment elle a donné pouvoir à Jacqueline Martin, Dominique Goutte a donné pouvoir à Sophie Simonet, Théophile Canza à Bruno Coutenceau, Gabin Mongard à Patrick Nicole, Marc Millet à Dominique Duval, Morgan Taillebosque à Michel Leland, Émilie Rochefort à Amandine François, Pascal Pimon à Ludwig Guillaume, Lilian Bellet à Rudy L'Orphelin. Alors, il faut que nous désignions un secrétaire de séance. Donc, je vous propose... qui êtes-vous, là, tout de suite? Tiens, madame Corinne Vilchalane pourra être secrétaire de séance, voilà, par exemple. Merci, Corinne. Alors, en termes de communication, avant que je n'oublie, j'ai la consigne par madame Demont de vous rappeler que vous avez dû trouver chacun à votre place une enveloppe concernant la préparation des élections européennes. Donc, merci de sélectionner le bureau dans lequel vous comptez vous être présent à l'occasion de ces élections. C'est le 9 juin de mémoire, je crois, 9 juin prochain. Hein, et en fin de séance, le service des assemblées, pour rendre service à celui des élections, récupérera votre copie, si je puis dire. Donc, merci de remplir le document qui vous est présenté. Voilà. Alors, en introduction, outre la... J'avais pas de point particulier, si ce n'est effectivement rappeler un certain nombre de personnalités cannaises qui nous ont quittés et dont je souhaitais que nous puissions ensemble saluer la mémoire en nous inclinant lors d'une minute de silence. Hommage auquel, évidemment, j'associe bien volontiers, même si... bien sûr, c'est très éloigné de nos sujets municipaux. Effectivement, l'attentat perpétré à Moscou vendredi dernier et qui a vu effectivement plus de 130 civils touchés par cette violence malheureusement reproduite à chaque fois dans les attentats terroristes. Et c'est quelque chose qui, tout comme évidemment le conflit qui se déroule à notre porte entre la Russie et l'Ukraine, doit évidemment nous interpeller, sans parler de celui qui existe aussi au Proche-Orient, entre Israël et la bande de Gaza et le Hamas, donc surtout au moment où effectivement où on va se préparer à honorer nos libérateurs et rappeler au travers des événements du 80e anniversaire à quel point la paix et la liberté ont évidemment, sont évidemment des biens précieux. Alors en ce qui concerne les personnes récemment disparues et dont je voulais vous rappeler la mémoire, alors en commençant, parce que c'était quasiment le jour de notre dernier conseil municipal, par M. Erich, je pense qu'on dit Erich, Otheimer, voilà, Otheimer peut-être, O-E-T-H-E-I-M-E-R, que nous sommes a priori peu nombreux à avoir rencontré, puisque c'est un monsieur qui avait 95 ans, mais en tous les cas, là où il a eu un rôle important en tant que Cannais, c'est que alors qu'il enseignait la langue et la littérature allemande à l'université de Caen, il avait été l'un des pionniers, en quelque sorte, l'un des précurseurs du jumelage avec la ville de Würzburg, qui, comme je vous le rappelle, a effectivement été signé entre nos deux villes avant même le traité de l'Elysée de janvier 63, puisque c'était en octobre 62. Et ce monsieur Otheimer, aux côtés, par exemple, de personnalités plus connues comme le couple monsieur et madame Denisot, dont madame Denisot est toujours parmi nous, bien sûr, eh bien, ont fondé l'association cannaise pour la connaissance de l'Allemagne en 1959. Et il en était effectivement l'un des cofondateurs. Et il a enseigné effectivement au département des langues étrangères appliquées jusqu'en... Et d'ailleurs, il a dirigé ce département jusqu'en 1993. Et donc, c'est un monsieur qui a beaucoup marqué effectivement l'enseignement de l'allemand à Caen et aussi
la réconciliation entre nos deux pays. Disparition ensuite de Madame Marie-Jo Branche, qui était présidente de l'association Pommiers et Baobab, qui s'occupait beaucoup des liens entre Caen et Thiès. Elle avait créé cette association en 2012 et elle est décédée, Madame Branche est décédée le 7 février 2024. Elle a beaucoup travaillé, par exemple, en coopération avec la ville de Thiès, à l'inscription de ce qu'on pouvait appeler les enfants fantômes, c'est-à-dire des enfants qui n'étaient pas déclarés dans les registres d'état civil, parrainage d'enfants, lutte contre la malnutrition, un certain nombre d'actions menées en particulier en faveur des habitants du quartier de Kao-Sahara, Fal, à Thiès. Voilà, je pense que Cécile Cotenso pourrait vous en dire plus que moi, mais en tous les cas, effectivement, elle était une cheville ouvrière très active de ce jumelage. Nous avons également perdu le 23 février 2024, elle avait 88 ans, Madame Marie-Joseph Houssin, que pour du coup un certain nombre d'entre nous ont bien connu, tout comme Madame Branche bien sûr, puisque Madame Houssin était non seulement administratrice de la société Quand la mère habita, mais elle a longtemps présidé des associations diverses sur le quartier de la Grâce de Dieu. Tout récemment, le 13 mars dernier, est décédé le docteur Yves Souquière, qui avait été décédé à l'âge de 74 ans, qui était médecin-chef des armées, médecin-stomatologue, chevalier de l'Ordre national du mérite, et qui a été conseiller municipal pendant deux mandats, à la fin des années 80 et début des années 90. Donc le docteur Yves Souquière est décédé donc le 13 mars. Et puis, tout récemment, au cours de ce week-end, il venait d'avoir 48 ans, Pop the Fish, qui était un artiste local, qui a créé cette vitrine artistique, en particulier sur la... Mais il n'a pas fait que ça, bien sûr, mais en tout cas, notamment, on le connaît notamment par la vitrine de Pop rue Saint-Martin, qui est un lieu d'exposition permanent. Il a aussi travaillé sur de nombreux projets. Par exemple, il était présent récemment au Festival Bourgard. Il a, au début des années 2000, beaucoup travaillé en Suisse. Il a aussi écrit un certain nombre de chansons qui ont connu un vrai succès au Canada. Enfin, c'était un artiste très éclectique. Et il est décédé, malheureusement, très jeune, puisqu'il n'avait que 48 ans. Voilà, je vous propose que nous marquions tous ensemble à la mémoire de toutes ces personnalités et des victimes de Moscou, une minute de silence. Merci. Alors j'imagine qu'un certain nombre de représentants des groupes souhaitent prendre la parole. Enfin, non seulement je l'imagine, mais j'ai vu déjà les micros s'allumer. Donc j'ai Rudy l'Orphelin pour commencer. Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, chers collègues, j'aimerais ce soir revenir sur la situation des exilés présents sur notre territoire. Et si je vous interpelle sur cette question, c'est à la fois en tant que maire de Caen et en tant que président de Caen-la-Mer. En tant que maire de Caen, d'abord, pour revenir sur la question des exilés présents sur la presqu'île, soit plusieurs dizaines de personnes, ici, le tribunal administratif de Caen avait enjoint à la ville, il y a quelques mois, de mettre à disposition un point d'accès à l'eau potable permanent. Celui-ci est désormais en place, mais malheureusement, sans aucune évacuation, ce point d'eau ne répond donc pas à toutes les nécessités d'un lieu de vie. Alors, à l'occasion de votre rencontre avec les associations, il a également été demandé l'installation d'un bloc sanitaire. Pouvez-vous nous confirmer que celui-ci sera bel et bien mis en place? De quoi sera-t-il constitué? Où sera-t-il placé? Et à quelle échéance? Et cette démarche sera-t-elle engagée en lien avec les personnes concernées et l'association mobilisée, dont il faut saluer l'engagement? En tant que président de Caen-la-Mer, ensuite,
car la situation des exilés à Ouistreham ne peut pas nous laisser indifférents, particulièrement quand Romain Baille, maire de Ouistreham et vice-président de Camp-la-Mer, s'acharne à exiger l'expulsion de près de 200 personnes installées dans un campement situé sur un terrain appartenant à Port de Normandie, dont vous êtes par ailleurs, monsieur le maire, administrateur. Alors, sommé à plusieurs reprises par le Conseil d'État d'agir en vertu du principe de dignité humaine qui comprend notamment le droit à l'eau, Romain Baille a fini par mettre en place un dispositif minimum, mais largement insuffisant, pour répondre aux besoins de près de 200 personnes. En dépit du travail remarquable des associations et collectifs, entre autres le CAMO, Vent Contraire, la CIMAD, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, il n'y a aucune volonté de dialogue du côté de la mairie, du côté de Romain Baille, et si peu du côté des services de l'État. Pourtant, cette situation nous oblige, cette situation vous oblige. Alors, monsieur le maire, je vous pose la question, et cette seule question ce soir, comment entendez-vous agir à l'échelle de Camp-la-Mer, en tant que président de Camp-la-Mer, en tant que maire de Caen, en tant qu'administrateur de Port de Normandie, auprès du maire de Ouistreham, auprès des services de l'État, pour que s'institue un véritable dialogue, pour garantir qu'il soit mis fin à ces atteintes inacceptables aux droits fondamentaux de la personne humaine et proposer des solutions pérennes, notamment en matière d'hébergement et d'accès aux droits pour les démarches de régularisation. Telle est ce soir ma seule question. Je remercie monsieur le maire. Je vous propose qu'on prenne toutes les questions et puis nous notons avec les collègues au fur et à mesure et puis on vous répondra évidemment. J'ai ensuite monsieur Guidi, Aurélien. Monsieur le maire, chers collègues, Here comes the sun, chanté Pop the Fish. Aussi, en ce conseil municipal du printemps, et puisque la nature nous y appelle, je voulais vous emmener au jardin. Les parcs et jardins font la richesse de notre ville. Ils contribuent à la bonne qualité de notre cadre de vie. Les parcs municipaux et les jardins publics sont le patrimoine de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas de jardin privé. Leur place et leur nombre sont donc essentiels dans une ville. À l'heure du réchauffement climatique et de la multiplication des îlots de chaleur, les espaces verts, arborés, deviennent vitaux. Je suis de ceux dans ce conseil municipal qui militent pour accroître leur place dans notre ville. Voilà 50 ans, alors que Caen se développait au nord avec l'urbanisation du chemin vert et de la folie couvre-chef, Franck Dincombe imaginait transformer la plus grande décharge de Caen en parc. La colline aux oiseaux fut créée. Quelques mois seulement après la disparition de cet élu visionnaire, ce parc accueillait ses premiers visiteurs. Énorme succès, à la hauteur des besoins, puisque chaque année, depuis maintenant 30 ans donc, ce sont près de 450 000 personnes qui vont à la colline aux oiseaux. À l'occasion de son 30e anniversaire, vous avez décidé de faire des travaux d'aménagement de ce parc. Voici en résumé ce qui a été annoncé à la presse. L'entrée du parc est repensée pour en faciliter l'accès, notamment pour les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. Dans cette même logique, une aire de jeu est créée pour être davantage inclusive et accessible. Le parc animalier est déménagé et certaines espèces ont été retirées. Adieu, vaches, ânes, cochons. Un parcours aventure va voir le jour. Avant de commenter les aménagements prévus, je voudrais vous faire part une nouvelle fois de mon exaspération à voir des annonces dans la presse précédant une éventuelle présentation auprès du conseil municipal. Exaspération encore plus grande aujourd'hui, puisque aucune présentation de ce dossier n'est prévue en conseil municipal. Alors, j'en viens donc à mes commentaires. C'est une très bonne chose que d'augmenter le parking vélo. Pour inciter davantage encore à préférer ce mode de transport à la voiture pour aller à la colline aux oiseaux, peut-être aurait-il été pertinent de grignoter sur le parking automobile. C'est une très bonne chose de penser l'aire de jeu comme la plus inclusive possible. Concernant les animaux, je comprends l'attention portée au bien-être des grands animaux. Je trouve dommage que le choix n'a pas été d'aménager des enclos plus grands pour continuer de faire connaître aux jeunes canets urbains ce qu'est un croisé du Cotentin, une vache normande ou encore des cochons de Bayeux. C'était sans doute là la seule occasion pour bon nombre des enfants de notre ville de voir ces animaux domestiques en vrai. Il est dommage que la réflexion autour du bien-être animal, et elle est plus que bienvenue, n'a pas débouché sur l'aménagement d'une ferme pédagogique. Je pense qu'on aurait pu trouver cet espace dans les 17 hectares que compte la colline aux oiseaux. Au lieu de cela, vous avez préféré un nouvel équipement, un parcours aventure. Et vous avez confié celui-ci au groupe AcroCamp qui gère des équipements dans 10 autres villes.
Là où il y avait auparavant une activité accessible à tout le monde, il y aura désormais une activité payante. Vous allez me dire qu'il y a déjà des activités payantes à la colline aux oiseaux. Les manèges, le mini-golf, le snacking et la restauration. Et que, encore heureux, tout le reste du parc demeure gratuit. C'est vrai. Mais avez-vous perdu à ce point le sens de la réalité sociale du plus grand nombre pour ne pas voir où se situe le problème ? Je suis allé voir les tarifs du parcours aventure de Rouen. Ça va de 11 euros à 29,50 euros. Si de tels tarifs venaient à être appliqués à la colline aux oiseaux, ça voudrait dire qu'un ménage constitué de 2 enfants en ressortirait donc pour 100 euros. Un tour de manège ou une gaufre, c'est 3 euros. Ce n'est pas vraiment le même budget. Ce n'est donc pas comparable. Vous nous annoncez des travaux à la colline aux oiseaux pour renforcer l'accessibilité et l'inclusion, et là, vous nous proposez un équipement qui va développer du séparatisme social. Nous avons un parc situé à la jonction de 2 quartiers parmi les plus peuplés de la ville. 2 quartiers également où le pouvoir d'achat des ménages est parmi les moins élevés. Vous aviez l'occasion de faire en sorte de renforcer la liaison entre le chemin vert et la folie couvre-chef, en faisant de la colline aux oiseaux ce carrefour vert. Ça aurait pu être via la création d'une passerelle et d'une entrée sud pour faciliter l'accès depuis le chemin vert. Au lieu de ça, vous dites aux jeunes et aux enfants de ces quartiers, combien gagnent tes parents ? Ah, désolé, le parcours aventure, ce n'est pas pour toi. Je vous le dis, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'une municipalité peut faire pour défendre et mettre en œuvre les principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. J'en arrive à me demander, et je préfère me tromper, si dans votre démarche de séduction des Parisiens à venir s'installer à Caen, vous ne tombez pas dans le travers de vouloir créer ici un jardin d'acclimatation en miniature. Nous saurons bientôt si la Fondation Gandur viendra s'installer entre la colline aux oiseaux et le mémorial. Comme la totalité du conseil municipal, je l'espère. Et c'est parce que je l'espère que je me permets de réaffirmer ici notre unanimité à le souhaiter. Aussi parce que dans le cas de l'autre ville finaliste, Bordeaux, il n'y a pas cette unanimité. Mais j'espère que l'implantation à venir de la Fondation Gandur ne vous confortera pas dans cette idée de faire de la colline aux oiseaux un jardin d'acclimatation à la mode de Caen. Juste avant de terminer, quelques mots pour saluer la mémoire de Pop the Fish. C'était, vous l'avez dit, monsieur le maire, quelqu'un de très dynamique pour la culture de notre ville. Il a fait beaucoup. Depuis samedi, comme il le chantait, nous n'irons plus à la piscine. Sous Hélène a définitivement posé son verre. Et c'est arrivé le jour d'une éruption solaire, j'y vois comme un symbole. Je me dis que Pop est parti caresser les vents solaires. Voilà. La ville de Caen perd un grand artiste et moi je perds un ami. Je vous remercie. Bon, on répondra un peu à la présentation caricaturale que vous avez faite de la colline aux oiseaux, mais bon, vous parliez des tarifs de Rouen, mais comme nous on est une ville de droite, ça va être beaucoup moins cher. Alors, ensuite j'ai Madame Anne, Alors, je suis un peu perdu dans vos groupes, dans l'évolution des différents groupes. Alors, Madame Anne, vous êtes... Oui, donc vous avez droit à 8 minutes, oui, c'est ça. Tandis qu'ensuite, Monsieur Lecoutour et Madame Ovnagnan vont se partager les 8 minutes. Merci, Monsieur le maire. Encore une fois, on a quelques difficultés pour vous entendre. En tout cas, moi, j'ai 2-3 sujets à aborder, assez courts. Le premier concerne la sécurité sur le territoire et la tendance à la hausse des violences dont s'est fait écho la presse ces derniers temps, avec une augmentation. Alors, j'ai été assez surprise, de 19,7%. Alors, toute violence confondue sur le Calvados. Alors, les chiffres sur Caen, on ne les a pas eus. Enfin, moi, je ne les ai pas eus. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Mais j'ai trouvé que ce chiffre-là était quand même considérable. Alors, je voulais vous poser la question, qu'en est-il précisément ? Le deuxième sujet concerne les galeries Lafayette, pour lesquelles on a eu évidemment très peur, mais c'est un soulagement pour les salariés surtout d'apprendre qu'un plan de redressement a été décidé par la justice. Alors, c'est un groupe qui reste évidemment en situation financière très délicate et les salariés dans une incertitude permanente. Il y a quand même 65, je crois, salariés aux galeries Lafayette. Certains ont d'ailleurs démissionné et lorsqu'on déambule dans le magasin, on peut percevoir quand même la tristesse
et l'inquiétude de ses salariés, ce qu'on peut comprendre. À Caen, comme dans de nombreuses villes, je crois qu'il y a 25 magasins concernés. Ce magasin est avant tout un symbole. C'est aussi une institution, une enseigne, et puis, on pourrait dire, presque un moteur pour la dynamique locale. Évidemment, on imagine mal la fermeture de ce magasin dans le centre-ville. Et pourtant, on a peut-être frôlé la catastrophe. Le groupe de Michel Ohayon est dans la tourmente judiciaire. Alors, qu'en sera-t-il les prochains mois? Nul ne le sait. Mais on sait aussi que certains rachats par le groupe ont très mal fini. Moi, je pense à Camailleux, je pense à Gosport, à Gap et à la Grande Récré. François Bayrou, qui était lui-même aussi concerné par le magasin de Pau, a vivement réagi et a dit qu'il ferait tout pour préserver ce magasin, notamment par l'achat de ses murs et de son immobilier, parce qu'on sait aussi que le groupe de M. Ohayon est plutôt spécialisé dans l'immobilier. Alors, moi, ma question, M. le maire, c'est évidemment, si une telle situation se présente à Caen, ce serait impossible pour à la fois pour le commerce central, enfin du centre-ville, pour les magasins, pour les salariés et pour la ville. Alors, j'imagine que vous y avez déjà pensé et peut-être avez-vous d'ores et déjà un plan, même si le plan de redressement court sur plusieurs années. Voilà, ça c'est le deuxième point. Puis le troisième point est un peu plus léger, si vous me permettez. Vous êtes le premier vigie pour lancer ce millénaire. C'était jeudi dernier, très tôt le matin, dans la brume. Moi, j'ai trouvé que c'était probablement une expérience fort intéressante. Mais comme vous êtes le maire de cette ville, je voulais vous demander votre avis et votre impression pour qu'éventuellement je pose ma candidature, si le retour est très satisfaisant. Là, je vous remercie. D'accord, je vais vous répondre bien volontiers. Alors, merci. Alors, j'ai ensuite M. Lecoutour. Merci, M. le maire. Depuis 8 ans maintenant, les débats relatifs à votre projet de centre commercial Place de la République ont été essentiellement dominés par les répercussions de ce projet sur la ville, sur l'urbanisme, sur la biodiversité et sur les Canaises et les Canais avec la création d'îlots de chaleur urbains. Au-delà de ces conséquences majeures, irréversibles et documentées sur Caen et les habitants, il est aujourd'hui impératif de revenir sur votre motivation première en 2014, qui était celle de dynamiser le commerce de centre-ville. Il y a 6 ans déjà, je vous ai alerté et adressé les signatures de 106 commerçants cannais de l'hypercentre, vous demandant d'abandonner ce projet de centre commercial en raison des risques pour leur propre activité. Au même moment, des pistes de travail ont alors été avancées pour développer ce commerce de centre-ville et le protéger. Mais depuis un certain nombre d'années, nous voyons également le centre-ville s'affaiblir, avec des grandes surfaces qui ne trouvent pas preneur, que ce soit le centre Paul Doumer ou le magasin CEA. Des milliers de mètres carrés sont ainsi à l'abandon. Très récemment, les galeries Lafayette ont heureusement échappé au pire, mais nous voyons bien que cette situation reste d'une grande fragilité et de nombreux commerces de proximité sont ou vont être en vente dans le centre-ville. Est-ce le moment de rajouter des milliers de mètres carrés de surface commerciale à cette situation alors que, depuis de nombreuses années, nous avons des pistes très concrètes et précises qui permettraient d'aider les commerces de centre-ville à lutter contre les grandes surfaces de périphérie? Je vous propose donc, Monsieur le maire, très sérieusement et au-delà de nos conflits, de reprendre cette question centrale pour la ville et d'organiser avec les commerçants, les chambres consulaires, les habitants et tous les acteurs politiques concernés une grande concertation publique. Celle-ci aurait pour but de répondre à notre objectif commun de dynamiser le centre-ville commerçant, mais aussi de considérer la place de la République comme un lieu de nature et de repos qui pourrait participer en tant que tel à l'attractivité de notre centre-ville. Je vous remercie. Je n'irai pas jusqu'à vous remercier.
mais je vais vous répondre. Ensuite, Madame Ovnanian. Chaque conseil municipal ou communautaire, nous discutons du manque d'argent public. Or, il existe en France un puits sans fond. Ce 23 mars à Caen, nous étions près d'un millier à manifester pour cesser de financer ce puits sans fond qu'est le nucléaire français. D'un point de vue légal, le nucléaire fait l'objet d'exceptions constantes, y compris en ce qui concerne son financement. Là où tous les budgets sont restreints, les milliards sont là, envoyés sans compter. À Caen siège l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire. C'est elle qui décidera de la mise en service ou non du prochain réacteur EPR de Flamanville, si elle advient un jour. Il est très probable qu'elle ait de nouveau du retard. EDF, Orano et l'État français souhaiteraient à tout prix démarrer cette EPR d'ici quelques jours. Même s'il devait être chargé en combustible, il ne produirait pas pour l'instant un watt d'électricité sur le réseau, car l'opération de divergence qui marquerait le début du phénomène de fission à l'origine de la production d'énergie pourrait être encore bien loin. Dans le cas de Civaux, il y a eu 4 ans entre l'achargement et la production d'électricité. Le point fort de l'industrie nucléaire est aujourd'hui sa communication et non sa production d'électricité, qui dépend principalement de sa première heure de gloire et le taux de charge du nucléaire, c'est-à-dire l'électricité effectivement fournie par rapport à l'électricité fournie si les réacteurs fonctionnaient en permanence, baisse globalement depuis plus de 10 ans. Les 2 autres réacteurs de Flamanville sont depuis 6 ans plus souvent à l'arrêt qu'en fonctionnement et ont dû être arrêtés 3 fois de manière brutale cette année pour cause de tempêtes. Arrêts brutaux qui ne sont vraiment pas bons pour des réacteurs nucléaires et qui coûtent de l'argent aussi aux contribuables. Flamanville, c'est pas si loin. D'ici 2 ans au plus tard, cette EPR maudite sera mise à l'arrêt pour plusieurs années de travaux, quelques milliards supplémentaires, dans une opacité qui ne pourrait avoir lieu dans aucune autre industrie. Vous cherchez quelques millions pour la ligne Paris-Normandie. Ils sont là, ils sont juste sous les yeux de tous, mal attribués, dans la plus grande impunité. Vous allez me dire que selon RTE, le modèle perpétuant le nucléaire est le plus rentable. Or, la construction des 6 EPR2 à venir a déjà vu son prix augmenter de 51 milliards à 67 milliards avant même que l'on ne commence les travaux. Vous continuez à marcher pieds nus sur un mur de verre brisé sans oser faire demi-tour, mais la route est longue. J'aimerais savoir qui d'entre vous serait prêt à mettre sa main à couper que nous ne serons pas d'ici 10 ans en train d'accuser un retard important sur la construction de ces EPR2 avec un surcoût de plus de 100 milliards. Non, l'industrie nucléaire n'est plus la moins chère. Rappelons que le budget de l'EPR de Flamanville a été multiplié par 6 pour atteindre 19,1 milliards d'euros au moins. Appartenant entièrement à l'État français, EDF engloutit l'argent du contribuable à l'heure où il serait bien plus utile ailleurs. Vous me direz que ce n'est pas l'affaire du conseil municipal de Caen. Je vous dirai que c'est l'affaire de tous, car c'est notre argent. Je vous demande de faire preuve d'esprit critique, comme vous savez toutes et tous le faire, mes chers collègues. Quand la communication du nucléaire continuera à souffler dans vos oreilles, qu'ils savent gérer, que tout va bien et que tous ceux qui vous disent le contraire n'en savent rien. L'argent est bien là. Il est simplement mal dépensé. Et si nous ne remettons pas aujourd'hui en question cette dépense, elle engloutira l'argent de nos projets locaux pour les dizaines d'années à venir. C'est afin de réveiller les consciences que nous avons manifestées ce samedi et que j'ai parlé aujourd'hui devant vous. Merci. Merci. Alors, on a un certain nombre de collègues qui vont sans doute réagir, mais... Alors, le... Bon, alors peut-être...
Alors, on va peut-être prendre dans l'ordre un peu des choses, des interventions. Sur la situation des exilés, en fait, en ce qui concerne Caen, effectivement, même si je reste persuadé que la préoccupation de quelqu'un qui vit sous une tente n'est quand même pas de se lever au milieu de la nuit pour accéder à un point d'eau, mais dans la mesure où, encore une fois, je répète que quotidiennement, la boussole est ouverte et permet d'accueillir décemment les personnes qui sont dans cette situation précaire, et non seulement de bénéficier pour du coup d'un accès à l'eau, mais aussi d'un accès à la possibilité de laver ses vêtements, la possibilité de se laver soi-même, enfin c'est beaucoup plus élaboré qu'un simple point d'eau. Pour autant, on va ajouter à côté de la boussole, effectivement, légèrement sur la gauche je crois, un site de toilettes automatiques, tout simplement, comme on a un peu partout dans la ville. Voilà. Puisque effectivement ça avait été demandé par les associations j'avais effectivement dit qu'on pouvait effectivement faire ce genre de choses. Alors en ce qui concerne Ouistreham, il y a un certain nombre de prescriptions qui ont été données par le juge. Ces prescriptions sont en cours si ce n'est déjà fait d'ailleurs, d'application. Elles sont vraisemblablement insuffisantes, ça je veux bien le croire, pour permettre effectivement une vie décente à un campement qui n'en est pas vraiment un. La vraie question, me semble-t-il, c'est pas de... Il me semble que l'idée de rendre ce campement bien desservi en douche et en eau ne résout pas le problème de fond qui est effectivement proposer aux personnes qui sont là une prise en charge correspondant effectivement en fonction des lois qui sont les nôtres. Voilà, quoi que puissent en dire certains, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un certain nombre de personnes qui sont là ne veulent pas se fixer, ne veulent pas effectivement entrer, comme on dit, dans les dispositifs de droit commun et demander l'asile en France. Pour la plupart du temps, ils souhaitent absolument aller en Angleterre et par tous les moyens essayer de s'y rendre. Donc on a effectivement une sorte d'antagonisme entre leur volonté qu'on peut évidemment comprendre, hein, puisque la plupart du temps, s'ils souhaitent aller en Angleterre, c'est parce qu'ils ont déjà des connaissances sur place. Effectivement, la possibilité qui leur serait offerte aujourd'hui pour une prise en charge, j'allais dire, classique. Voilà, c'est le fond du problème des personnes qui sont aujourd'hui à Ouistreham, dont le nombre d'ailleurs fluctue en fonction des possibilités, puisqu'ils se répartissent entre différents points de passage vers l'Angleterre la plupart du temps, entre le nord, la région de Calais en particulier, notre site et éventuellement d'autres sites plus éloignés des côtes anglaises. Alors je vais laisser mes collègues répondre peut-être sur le sujet de la colline aux oiseaux, etc., dont j'ai bien entendu le plaidoyer absolument enflammé, comme d'habitude, de notre ami Aurélien Guividi. Alors je voudrais quand même préciser que le sujet des grands animaux qui a pu amouvoir certains, enfin si vous voulez, une vache laitière comme l'était la Normande, hein, c'est plutôt l'ennui qui l'a guettée quand elle était seule, plutôt que le manque de place, parce que ce n'est pas des animaux qui ont l'habitude de gambader des chevaux de course sur des grandes étendues. Mais tout simplement, effectivement, le choix a été fait de privilégier effectivement l'accueil de plus petits animaux, parce que effectivement, ayant de fait plus de place. Alors en ce qui concerne une ferme pédagogique avec des animaux plus grands, je pense que ce sera une des options qui sera d'ailleurs possible sur un terrain qui n'est pas très loin non plus du centre-ville de Caen, même si c'est sur une autre commune, en l'occurrence Fleury-sur-Orne. Dans le cadre des aménagements des Hauts-de-l'Orne, il y a toute une partie qui n'est pas constructible et où on pourra avoir ce type de proposition sans doute. Enfin, on y travaille en lien avec non seulement évidemment Normandie Aménagement, mais aussi bien sûr la commune de Fleury. Cette colline aux oiseaux, elle va proposer un certain nombre de choses qu'elle ne proposait pas jusqu'alors. Voilà, il ne faut pas tomber dans la caricature, il n'y aura pas de ségrégation sociale. Mais donc je vais laisser mes collègues s'exprimer sur ce point. Donc on peut peut-être commencer par ça pour parler de la colline aux oiseaux. Alors, et puis il y a le sujet des vélos, il y a plusieurs sujets. Donc Cécile, pour commencer. Bonjour à tous. Merci Monsieur Guidi pour votre intervention sur la Crocamp. Et je vais vous rassurer tout de suite. Je ne sais pas quels sont les tarifs de Rouen, mais ce ne seront pas les tarifs de Caen. Les tarifs seront entre 10 et 21 euros, donc on n'est pas tout à fait au niveau de ce que vous disiez.
Et pour vous rassurer également, nous n'ignorons pas du tout les réalités sociales des personnes qui se rendent à la colonie aux oiseaux. Il y aura, et ça faisait partie des demandes qu'on avait formulées sur le cahier des charges, des demi-tarifs, le mercredi matin en particulier. On tenait à ce que ce soit sur des créneaux horaires qui permettent à tout le monde de pouvoir bénéficier de ces demi-tarifs, d'où le choix du mercredi matin. Et puis cette installation sera vraiment qualitative. Il y a quand même 59 ateliers sur 4 niveaux. Et puis, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, il y a d'autres activités de loisirs payantes sur la colline aux oiseaux, le mini-golf notamment. Pour simplement vous rassurer également, c'est une activité qu'on n'avait pas sur le territoire cannais, une activité qui plaît beaucoup aux jeunes et aux familles. Et c'était vraiment aussi notre volonté d'installer cette structure autoportée en respectant une intégration paysagère. Et puis, je connais aussi votre intérêt pour le souci environnemental. Chaque personne qui se rendra sur cette structure pourra repartir avec une graine d'arbre et pourra planter un arbre aussi. Je pense que c'est un sujet qui vous tient également à cœur. Alors, merci Sophie. Oui, moi je voulais apporter un point d'information qui me paraît important à propos de l'aire de jeu inclusive. Donc, rappeler que c'est un projet des budgets participatifs, je crois que c'est vraiment important de le noter, et que donc le projet est très bien connu de la population et donc de nous tous ici, puisqu'en fait c'est un projet qui a été déposé sur la plateforme jeparticipeacamp.fr, notamment porté par l'association Andy Rare et Poli, avec le soutien des conseillers de quartier, qui a ensuite obtenu un nombre maximum de votes, ce qui fait qu'il a été parmi les projets retenus. Donc c'est un des 15 projets des budgets participatifs. Ça va être, puisqu'il est en cours là, de réalisation, honnêtement, ça va être vraiment une aire de jeu inclusive telle qu'on n'en a encore jamais eu sur la ville de Caen, puisque c'est une inclusion pour tous les types de handicap, pas uniquement le handicap moteur, mais également déficit visuel, auditif et même des handicaps cognitifs aussi. Je voulais dire que donc ce projet, en fait, il est visible sur la plateforme Je participe à Caen. Il a été l'objet d'un suivi avec le conseil de quartier, qui est évidemment totalement associé à ce projet. J'en avais déjà parlé, puisque je vous souvenez peut-être, on avait proposé un nom qui a été d'ailleurs proposé par les conseillers de quartier et par l'association qui reprend l'idée de extraordinaire, puisque ces enfants qui vont utiliser cette aire de jeu sont des enfants extraordinaires. Donc ça s'appellera le jardin extraordinaire, un peu au sens propre. Voilà, et c'est un projet qui a été présenté aussi en commission. Donc voilà, dire que c'est un projet qui était déjà largement connu et qui ne tombe pas du tout du ciel, comme j'ai cru le comprendre, en fait. Voilà. Alors, sur le sujet de la... Ah, pardon. Oui, excuse-moi. Oui, Nicolas. Un dernier mot sur ton intervention sur la colline aux oiseaux, puisque tu évoques une passerelle, notamment pour relier le chemin vert à la colline aux oiseaux. Et ce sera fait, puisque dans le cadre du projet tram, nous mettons en place une nouvelle passerelle sur laquelle... Dans le cadre du projet tramway, nous mettons en place une nouvelle passerelle sur laquelle les modes doux, donc piétons, vélos, accompagneront le passage du tram. Donc on aura bien à l'échéance de la mise en œuvre du projet tram. Si, tu peux hocher la tête en faisant oui, c'est effectivement bien le cas. Et donc on aura bien une passerelle piéton et vélo avec des flux séparés qui accompagnera la traversée du périphérique pour rejoindre de manière complètement sécurisée dans un cadre un petit peu plus agréable qu'aujourd'hui le quartier du chemin vert à une entrée de la colline aux oiseaux qui sera effectivement à retravailler. Peut-être que dans un premier temps, il faudra malgré tout aller rejoindre l'entrée principale, mais il y a effectivement une entrée, donc il faut qu'on étudie les modalités d'ouverture et fermeture pour qu'elles soient directement en lien avec cette passerelle. Voilà, j'en profite pour dire, puisque tu portais l'idée qu'il fallait effectivement que chaque quartier bénéficie d'un lieu de jardin. Je voudrais simplement rappeler, mais puisque la banderole qui est au fond de la salle m'y invite, qu'il y a quelque temps, nous avons délibéré pour effectivement sacraliser en quelque sorte l'espace du parc Secqueville, qui est devenu, selon la nomenclature du PLU, secteur protégé, genre espace vert garanti, et que le projet vise aussi à ce que le parc Secqueville s'étire jusqu'au chemin vert,
ce qui va permettre effectivement d'augmenter considérablement l'offre d'espaces verts dans le quartier. Voilà. Là où d'ailleurs, Monsieur Lecoutour, effectivement, vous qui étiez qui êtes un fervent défenseur des jardins, mais on va y venir tout à l'heure aussi, vous prévoyez effectivement de construire des immeubles. Mais bon, là, parfois avec le temps, effectivement, avec les années, effectivement, il y a une sorte de déformation de la mémoire, c'est assez marrant. Moi, je pourrais prendre d'autres exemples, mais je vais me limiter à celui-là. Sur le sujet de l'augmentation des violences dans le département du Calvados, Madame Anne, vous a, effectivement, ce que vous dites est factuel. Et Caen n'échappe pas non plus à cette augmentation des violences, en particulier d'ailleurs de point de vue parmi cette augmentation de violence, sachant que nous sommes une société objectivement plus violente qu'elle ne l'était encore il y a quelques années, on a en particulier la forte augmentation des violences intrafamiliales. Alors il y a toutes sortes d'explications, enfin d'analyses qui sont faites, que je ne connais pas mieux que vous, mais en tous les cas, bien sûr que c'est un fait, et ce sera, enfin je vais laisser Aristide dire un mot à ce sujet, puisqu'il y a prochainement une présentation dans l'instance habituelle, dont j'oublie toujours le... Enfin, j'ai du mal à donner le sigle, ça va être CSLPD, un machin comme ça, voilà. Ça rejoint le sujet du commerce, peut-être, sur les galeries Lafayette, mais je vais laisser à ce moment-là Camille Brou intervenir là-dessus, sur ce sujet. Je pense que tu es arrivé juste... Je ne sais pas si tu as entendu l'intervention de M. Lecoutour. Ah, bah, c'était en guise de bienvenue. Effectivement, c'était une bonne présentation pour l'adjointe au commerce. Donc, effectivement... Nous sommes en quelque sorte tous soulagés par le fait que les galeries Lafayette, au plan national, aient pu obtenir un plan de continuation. Espérons que ce sera le plus pérenne possible. Alors, ça devrait l'être un peu plus facilement, en ce sens que, très clairement, le principal créancier, qui est le groupe Galeries Lafayette, qui est resté propriétaire, lui, des magasins parisiens et qui a vendu à M. Ohayon tous les magasins de province, a accepté de s'asseoir, entre guillemets, sur 70% des dettes du groupe. Bon, voilà. Donc, pour le moment, le vrai sauveteur, c'est le groupe Galerie Lafayette, finalement, qui vient au secours de celui qui a acquis les différents magasins. Alors, autre élément rassurant, le magasin de Caen fait partie de ceux qui sont les plus performants, ce qui n'est pas le cas de tous les magasins de province, mais en tous les cas, dont le bilan est positif, qui rapporte de l'argent. Donc, évidemment, il jouit d'un avantage particulier. Alors, de fait, nous n'avons pas envisagé d'acheter les murs, hein, ça c'est très clair. Je ne sais pas comment François Bayrou, ce qu'on espère évidemment, c'est que les murs du bâtiment vont continuer à abriter les galeries Lafayette, évidemment. Et dans l'idéal, ce serait même qu'une entreprise de réhabilitation du bâtiment soit missionnée pour qu'il retrouve un petit peu son lustre d'antan, parce que c'est vrai qu'avec le temps, il a beaucoup perdu par rapport à ce qu'il était, si on en juge par un certain nombre de photographies, ce qu'il était dans les années 50. Mais bon. Alors, une rapide impression sur les veilleurs. Alors, vous allez être sollicité, comme l'ensemble de... Enfin, tous les collègues du conseil municipal vont être sollicités pour éventuellement s'inscrire pour effectivement cette opération de veille. Alors, très tôt le matin, c'était 7 heures. Hein, donc, il y a des gens dans ce pays qui, heureusement d'ailleurs, se lèvent beaucoup plus tôt. Il y en a aussi qui se lèvent beaucoup plus tard, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, mon impression, si vous voulez, c'était... D'abord, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que pour quelqu'un d'un peu hyperactif comme moi, une heure immobile dans une petite boîte, c'est quand même long. Mais... Finalement, ça passe assez vite en observant un peu les allées et venues des uns et des autres. Ce qui est assez remarquable, c'est que finalement, la circulation automobile dont on parle beaucoup ne commence guère avant 8 heures. Donc, ceux qui se plaignent de la difficulté de circulation à Caen, je les invite à se lever un quart d'heure plus tôt. Au-delà de ça, ce qui est assez remarquable, c'est qu'en matière de veille, on a tous les clochers de la ville qui finalement veillent sur elle depuis... depuis plusieurs siècles, et que ces clochers qui au début étaient très distinguables sont devenus très vite d'abord happés par pour les premiers, enfin les plus éloignés d'entre eux, en l'occurrence les flèches de Saint-Étienne et puis Saint-Nicolas, le clocher de Saint-Nicolas ont commencé à être rattrapés par la brume de mer, et au final à 8 heures tout était recouvert par la brume de mer, y compris le toit du bâtiment qui était juste en face rue de Jaules.
Et puis sinon, par ailleurs, ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que si les clochers veillent sur la ville, il y a aussi toutes les mouettes et les goélands qui font des allers-retours incessants en suivant les principales artères, les rues, et qui, on a l'impression de voir de petits drones de surveillance. Mais ceux-là, ils sont complètement, comment dire, pour ceux qui s'inquiéteraient des libertés publiques, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'ils y attendent. Mais voilà, c'est mes impressions du moment, voilà, que je vous livre en direct. Pour le reste, effectivement, ce qui est intéressant avec cette veille, en quelque sorte, c'est que ça nous amène à une sorte de mobilisation générale pour s'approcher, effectivement, de ces moments partagés que nous aurons à l'occasion des fêtes du millénaire en 2025. Alors, le sujet du commerce. Alors, vous avez bien fait de dire à la fin, Monsieur Lecoutour, que nous avions un objectif commun. Moi, j'avais plutôt cru, en vous observant maintenant depuis 2014, que votre principal objectif, c'était plutôt quand même de mettre des bâtons dans les roues des différentes initiatives que cette municipalité prend, et pas seulement dans le domaine du commerce, d'ailleurs. Mais bon, l'objectif de ce projet, vous le savez, il a toujours été effectivement de renforcer l'attractivité du centre-ville en proposant effectivement quelque chose qui est maintenant assez commun dans beaucoup de villes, malheureusement pas chez nous, effectivement une halle gourmande qui n'a rien à voir avec un marché couvert comme on l'entendait au XIXe siècle et qui n'est pas non plus une addition de commerce de bouche. C'est voilà, quelque chose de différent. Enfin, pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, il n'y a pas besoin de se déplacer beaucoup. Ça existe dorénavant au Havre, à Rouen, à Angers, par exemple. Vous avez commencé, effectivement, au tout début du projet, à essayer de faire peur à un certain nombre de commerçants. D'ailleurs, un certain nombre, effectivement, vous avez réussi à obtenir à l'époque une centaine de signatures en leur expliquant que le commerce tuait le commerce et que dès lors qu'il y aurait de nouvelles propositions commerciales dans la ville, ça allait évidemment attenter à leur propre survie. Ce qui, là aussi, factuellement, est démontré partout. Voilà. J'en profite aussi pour dire qu'en ce qui concerne la concurrence entre le centre-ville et l'extérieur, c'est à l'époque où elle présidait le SCOT, enfin le Sonia de la Provoté avait fait adopter à la quasi-unanimité, non pas une charte comme vous aviez à l'époque, mais en fait un document prescriptif qui fait que depuis, on n'a eu aucune implantation de centres commerciaux nouveaux. On a eu. Il y a eu un certain nombre de commerces qui se sont modernisés, mais en utilisant les mètres carrés qu'ils possédaient déjà. Hein, donc on n'a eu aucun ajout de centre commercial nouveau sur l'agglomération. Hein, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Par ailleurs, au début du projet, vous êtes venu dans mon bureau, je pourrais retrouver la date du rendez-vous, pour me supplier quasiment en me disant ce à quoi je ne croyais pas, mais on s'est expliqué que le projet est d'accord, mais surtout il ne fallait pas faire une cession, mais faire un bail emphytéotique. Ensuite, vous avez exprimé vos craintes par rapport à un parking souterrain. Les porteurs du projet, en quelque sorte pour vous être agréables, ont changer le projet initial, ce qu'on avait l'idée lors d'une dernière délibération, pour revenir à un bail emphytéotique, renoncer à un parking souterrain. Pour autant, avec vos collègues, vous avez à nouveau attaqué la délibération. J'imagine que vous attaquerez de la même façon le permis de construire. Bon, donc quand vous dites qu'on a un objectif commun, j'ai plutôt l'impression que vous êtes plutôt dans une entreprise de destruction que dans une entreprise de promotion du commerce de centre-ville. Par ailleurs, cette description apocalyptique que vous en faites ne se repose sur aucun point de véracité. Je vais laisser Camille l'illustrer. Les choses qui sont vraies, c'est qu'effectivement le bâtiment CA est vide, non pas parce qu'il ne trouve pas preneur, mais parce qu'a priori, voilà, le propriétaire doit faire des travaux, etc. Et puis la deuxième chose, c'est que si le centre Paul Doumer, effectivement, au rez-de-chaussée, a vu un certain nombre de boutiques disparaître, c'est pour en accueillir d'autres, d'où les projets qui sont là aussi pas terminés, mais qui sont en cours. Donc quand vous parlez de milliers de mètres carrés vides, etc., je laisserai ma collègue, effectivement, évoquer la situation du centre-ville au travers d'un fait objectif, qui est l'observatoire que nous avons, que nous finançons, observatoire porté par la Chambre de commerce et d'industrie, sur, effectivement, la vraie situation du centre-ville. Après, bien sûr, il y a des évolutions dans le type de commerce offert, etc. Bon, alors, sur le nucléaire, Madame Ovnanian, évidemment,
C'est dommage, notre collègue Dominique Goud ne pourrait pas être là ce soir, donc il pourrait vous donner des éléments factuels, mais je voudrais simplement dire deux, trois choses qui sont de notoriété publique. C'est que le contribuable, je ne sais pas ce qu'il paye, mais en tout cas, il cofinance via la taxe que nous payons avec l'électricité, également les énergies renouvelables. Hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une taxe que nous versons en payant l'électricité pour subventionner indirectement le rachat de l'électricité photovoltaïque ou éolienne. Que si j'en juge, parce que je lis dans les échos, moi je connais rien, hein, mais je lis les trucs à peu près fiables. Aujourd'hui, un kilowatt produit par un EPR, ou un mégawatt, on compte en mégawatt, ou produit par du photovoltaïque, compte tenu de l'enrichissement d'un certain nombre de matériaux rares, enfin de denrées rares, ou par l'éolien offshore, on est à peu près au même niveau. Après, il y a le sujet du mix énergétique est indispensable, quoi qu'il arrive, de toute façon. On doit effectivement avoir de la production continue et de la production alternative. Mais c'est un débat national, donc je ne pense pas que ce soit ici qu'on détermine l'avenir de la politique énergétique française. Ce que je dis simplement, c'est que c'est un élément extrêmement stratégique, à la fois en termes d'indépendance nationale. J'observe que pour le moment, les principaux fournisseurs, par exemple, du photovoltaïque, c'est quand même globalement l'industrie chinoise. Hein. C'est quand même un sujet. C'est d'autant plus stratégique à l'heure où on va vers effectivement la décarbonation de l'activité humaine et en particulier celle des transports. Donc tout ça amène beaucoup de débats qui ont d'ailleurs toujours cours et je me garderai bien effectivement d'avoir un avis définitif sur la question. Je pense que je crois assez que l'idée selon laquelle, assez ancienne, mais selon laquelle il faut quoi qu'il arrive pas mettre tous ses œufs dans le même panier, me paraît assez juste. Alors, donc, sur le commerce, et puis je vois mon collègue Christian Nel qui voulait intervenir aussi sur des sujets plus généraux, enfin notamment, quand tu m'avais parlé sur les sujets, puisque ça a été abordé effectivement sur le sujet de la mixité sociale en quelque sorte, et la politique sociale. Donc peut-être Camille sur le sujet du commerce. Si ça fonctionne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, parce que je ne sais pas dans quel ordre vous avez traité les sujets, en ce qui concerne les galeries Lafayette, c'est évidemment un soulagement pour l'attractivité du centre-ville. Lundi du commerce avait lieu ce matin. Les commerçants qui étaient présents sont évidemment soulagés. Nous rencontrons avec Joël Bruno. Vous entendez pas ? On rencontre avec Joël Bruno prochainement le directeur du site des Galeries Lafayette pour voir un petit peu avec lui un peu plus précisément les suites du site et de l'activité. Je disais juste avant que les commerçants ce matin au lundi du commerce étaient effectivement soulagés aussi par la décision du tribunal de commerce de maintenir le... Monsieur Le Couteau, si vous écoutiez la réponse qu'on vous fait, ce serait bien. De soutenir... Ne serait-ce que par correction, je suis désolé, mais... Voilà, du plan de sauvegarde des Galeries Lafayette. Donc, un soulagement pour les commerçants du centre-ville. Concernant le CEA, effectivement, il y a des discussions qui sont en cours avec différents porteurs de projets, mais le bâtiment doit suite... Bon, il est vide depuis maintenant plusieurs années, donc il y a un certain nombre de travaux qui doivent être faits pour pouvoir relouer dans des conditions de sécurité qui soient correctes les près de 3000 m² du site. Et pour terminer, en ce qui concerne le centre Paul Doumer, le groupe PAREF qui gère le centre Paul Doumer est en contact avec plusieurs porteurs de projets actuellement et ils étudient, en fait, c'est entre guillemets une chance là, que le rez-de-chaussée soit un peu vide, puisqu'ils étudient avec les porteurs de projets le réaménagement du rez-de-chaussée pour répondre aux besoins des porteurs de projets. Donc c'est plutôt une bonne chose et ça avance côté centre Paul Doumer. Voilà. J'oubliais que, oui, sur Pau, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, effectivement, Éric Paris me le rappelait, la différence entre nous et Pau, c'est que Pau ferme, parce qu'ils étaient en fin de bail, et donc le magasin de Pau, il est dans le jugement du tribunal, il est acté qu'il ferme. Donc, effectivement, d'où la réaction du maire de Pau. Alors, un certain nombre de sujets, je ne sais pas si Véronique, sur quel sujet tout, parce que c'est peut-être en lien avec le commerce aussi, alors allons-y, dans la continuité.
C'est bon ? Oui, si je peux me permettre, pendant le mandat précédent, nous avons défendu aussi l'Inter IKEA, qui représentait 70 000 mètres carrés et 80 boutiques, qu'on a quand même évité dans la ville, par plusieurs interventions au tribunal de Nantes. Donc, merci à Camille Brou de défendre aussi la profession, et ceux qui en parlent ne sont pas ceux qui agissent et qui investissent. Alors ensuite, oui. Peut-être rapidement sur la sécurité ou je ne sais pas dans quel ordre. Enfin, donc Christian, vas-y. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je voulais, je ne vais pas répondre vraiment à tout ce qui s'est dit. Je voulais vous faire part de réflexions qui sont liées à la lecture par moi-même des trois articles de CanMag. Les articles du groupe de M. Déterville, de M. L'Orphelin, de M. Lecoutour. Alors, M. Déterville n'est pas là, mais enfin, Mme Agnan lui fera savoir, et moi aussi. Parce qu'il y a des choses quand même qui m'ont étonné au sens vraiment étymologique du terme. Hein. Alors, concernant le premier article de M. Déterville, Mme Anne, plusieurs réflexions. D'abord, sur nos principes budgétaires qui seraient purement comptables et conservateurs. Je ne vais pas épiloguer, mais je préfère qu'on ait une situation saine qui évite plus d'impôts et qui permette davantage d'investissements. Alors, on laisse entendre aussi que dans ce budget doit servir bien davantage les besoins des personnes en difficulté, les plus fragiles. Oui, bien sûr, c'est souvent très compliqué, c'est jamais parfait, d'autant que ces personnes-là sont souvent en partie invisibles. Donc c'est compliqué. On n'a pas à rougir pour autant de notre politique sociale, je le dis. D'autant que notre politique sociale, je dirais, c'est plutôt une démarche d'amélioration continue. Il n'y a pas vraiment d'affichage, peut-être pas assez d'ambition, mais on est là et on fait quand même une politique sociale, à mon avis, efficace. Je prendrai deux points qu'on ne sait pas assez. D'abord, Amandine Gauquelin et Gérard Lal parleraient mieux que moi de tout cela, mais concernant l'éducation, on a probablement en 10 ans fait beaucoup plus que les 40 années antérieures, ça il faut le savoir, avec parfois des actions précurseurs comme les mercredis éducatifs. Et en ce qui concerne les seniors, moi j'attache une importance toute particulière au réseau des résidences autonomie, dont, sauf erreur de ma part, nous avons constitué le réseau le plus important en France. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, alors évidemment, il y a 15 résidences autonomie à Lyon, par exemple, et ils sont 5 fois plus nombreux. Et surtout, nous offrons une solution médiane pour nos aînés à des conditions financières particulièrement intéressantes. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, si ce n'est qu'il est intéressant de faire des comparaisons, parfois avec d'autres villes, y compris avec... des villes socialistes qui le sont depuis des décennies, qui ont fait des choix différents, mais qui obligent leur population senior à se tourner souvent vers le secteur privé en matière de résidence autonomie. Je voulais aussi en terminer avec l'article de M. Déterville en disant... en souhaitant que M. Déterville renonce à son projet d'un second EHPAD. Un EHPAD municipal, ça a l'avantage d'offrir des places supplémentaires, ça n'a pas forcément l'avantage d'offrir des services supplémentaires aux résidents, ni même un coût d'hébergement plus intéressant. Vous avez des EHPAD hospitaliers, vous avez des EHPAD mutualistes ou associatifs qui offrent la même chose. Hein. Et surtout en regardant la manière dont a été conçu, construit et le montage qui a eu lieu pour le premier EHPAD, que j'estime parfaitement insatisfaisant. Je rappelle qu'on payait jusqu'à l'année dernière 700 000 euros de loyer dans le cadre de la mise en place de cet EHPAD. Alors, je passe rapidement au second article, celui de M. L'Orphelin. J'ai pas grand-chose à dire sur le fond. J'ai peut-être le cuir un peu léger, mais je trouve que le démarrage, l'entame de votre article est un peu irrespectueux vis-à-vis du maire, dans la mesure où vous laissez entendre que le maire a une clairvoyance tardive par rapport à sa mesure de,
d'interdiction temporaire, au moins d'urbanisation de la presqu'île. Nous avions, Monsieur Emmanuel Renard l'a dit mieux que moi il y a quelques semaines, nous avions toutes les autorisations pour continuer, mais par souci de prudence, de responsabilité, on a préféré interrompre cette démarche. Bon. Je remarque que vous êtes plutôt dans la critique, l'insinuation qu'on a bon, finalement ouvert les yeux un peu rapidement, un peu lentement. Je trouve que c'est un peu fort. J'ajoute, parce que je parle rarement, laissez-moi finir, j'ajoute aussi que, de manière générale, vous parlez souvent, mais quand on réussit quelque chose, là, vous êtes dans le silence. Je pense à quelque chose qui doit vous interpeller. Le Conservatoire botanique national de Normandie, ça vous dit quelque chose. C'est nous qui l'avons mis en place, c'est nous qui l'avons réussi. Ce n'est pas une réussite simplement de prestige. Mais quand il en a été question au conseil municipal, M. l'Orphelin, vous n'avez pas dit un mot. Vous auriez pu non pas féliciter les élus, je ne vous demande pas ça, c'est trop difficile, mais vous féliciter pour la ville. Hein. Le troisième article, c'est donc l'article de M. Le Couture. Là, il m'a beaucoup surpris, hein, l'article de M. Le Couture. Sur l'énoncé des valeurs et des principes d'action, j'ai rien à dire. Mais alors, je vais prendre trois points qui sont quand même... Monsieur le maire parlait des problèmes de mémoire. Alors, j'en ai. Monsieur Le Couture, peut-être est-ce que vous en avez aussi un petit peu, hein. Parce que, premier point, votre proposition de prise de parole de groupe de citoyens au conseil municipal, c'est un vrai débat, c'est un vieux débat, un petit peu compliqué. L'application est difficile. Je me permets de vous rappeler, j'étais pas élu, mais enfin, j'étais cané. Je me permets de vous rappeler qu'en 2013, vous avez dû supporter, avec véhémence, une intervention de parents d'élèves dans le cadre de la fermeture du groupe scolaire, enfin de l'école d'Esnos. Et vous avez fait quoi? Vous avez appelé la police, hein, pour régler le problème temporairement, en tout cas. Bon, alors moi, je veux bien que vous ayez un souci de proposition d'action de démocratie directe, mais enfin... Souvenez-vous quand même que quand les faits se sont présentés, vous n'avez pas forcément toujours eu cette attitude ouverte. Le deuxième point, alors là, m'a surpris encore plus, vous voulez sauvegarder les équilibres financiers. Je rappelle l'action de la municipalité entre 2008 et 2014, où M. L'Orphelin, M. Déterville, M. Le Couture étaient maire adjoint. Vous avez commencé, sauf erreur, vous avez commencé ce mandat en appuyant sur le bouton forte augmentation d'impôts, enfin du taux d'imposition communale. Et vous avez fini le mandat en essayant d'équilibrer autant que possible le budget, parfois avec des bouts de ficelle, disons-le. Donc, bon, moi, je veux bien comprendre vos interrogations auprès de notre maire adjoint chargé des finances, vos inquiétudes, vos préoccupations. Mais enfin, souvenez-vous tout de même de votre bilan en 2014. Hein. Troisième point, et j'en terminerai là-dessus, sur quelque chose qui vous intéresse aussi, c'est l'urbanisme, c'est l'environnement. Vous avez eu l'occasion tout au long du mandat de vous exclamer sur des actions qui ne vous convenaient pas. On a encore parlé, je vous ai entendu parler de la place de la République en début de séance. Je me permets de vous dire qu'en 2013 aussi, il y a eu un plan local d'urbanisme d'établi. Je ne juge pas des grandes orientations, je n'ai pas grand-chose à dire, mais en ce qui concerne l'habitabilité des logements, la qualité des bâtiments et, M. Le Couture, le paysage urbain, c'était quand même le minimum syndical. On peut se promener dans Caen, il y a quelques rues qui ont vraiment évolué, suite, qui sont les effets directs de la mise en place de ce PLU. Malheureusement, en termes de paysage urbain, c'est pas glorieux. Alors tout ça pour vous rappeler votre engagement de début de mandat, qui était un engagement
de pratiquer une opposition constructive. Et c'est important, une opposition constructive, parce que par les temps qui courent, où tout ce qui est pratique démocratique est remis en cause et où les démocrates doivent combattre, eh bien, je pense que ce serait une initiative de bon aloi de revenir à ses intentions initiales. Merci. Bon, merci Christian. C'est vrai que il y a des petites choses comme ça qui méritent d'être appelées. Sachant que Christian prend l'engagement de ne pas réagir à chaque conseil municipal sur le contenu du CanMag, parce que effectivement, ça peut énerver parfois, mais bon, faut savoir. Voilà, faut relativiser le contenu des tribunes. Voilà, merci Christian. Alors, ces réflexions diverses sur différents sujets importants, oui, il y avait un dernier point avec Aristide Olivier concernant la présentation des sujets de sécurité et de prévention. Oui, suite à l'intervention de Madame Anne sur les questions liées à la sécurité, d'abord vous dire qu'effectivement vous avez raison sur les chiffres au niveau départemental, que la déclinaison cannaise, on la présentera dans quelques semaines au mois d'avril dans le cadre du contrat de sécurité et de prévention locale et de prévention de la délinquance en début avril. Donc vous aurez la déclinaison sur le territoire cannais, mais évidemment à Caen comme ailleurs, les chiffres sont plutôt en augmentation, et le maire l'a très bien précisé, notamment sur les violences intrafamiliales dont on a des difficultés à vraiment déterminer. Peut-être qu'on a aussi un biais statistique par le fait qu'on a plus recours, et c'est une bonne nouvelle, et qu'on va plus déposer plainte, et donc on a des statistiques qui augmentent. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment la question de la sécurité, ou en tout cas plutôt à l'inverse à Caen, le fait d'être dans une ville qu'on dit sûre est une préoccupation quotidienne qui nous anime chaque jour pour essayer de poursuivre dans ce sens. Et pour cela, et ce sera aussi présenté lors de cette assemblée plénière au mois d'avril, on a proposé une nouvelle méthodologie de travail avec l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de ces questions-là, qui sont extrêmement nombreux, ces partenaires. Et l'idée, c'est de les mettre très vite ensemble sur des situations très concrètes, sur des cas très concrets qui posent des difficultés, pour trouver collectivement des réponses. C'est-à-dire que de trouver une forme finalement très simple, avec à la fois l'aspect avec le parquet, la police, mais aussi l'ensemble des organismes de prévention, le conseil départemental. Toutes ces questions-là sont extrêmement liées, et donc on vous proposera une nouvelle méthodologie à partir de ce qu'on appelle des cellules de terrain qui sont répertoriées sur les différents quartiers de la ville pour apporter des réponses coordonnées, collectives aux situations qu'on observe, et essayer d'y apporter des réponses les plus pragmatiques possibles. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, ça fait partie des atouts de Caen, le fait de vivre dans une ville en sécurité, et qu'on a bien l'intention que ça continue. Bon, alors après ces propos liminaires, on va donc suivre l'ordre du jour. D'abord, est-ce que vous avez des questions sur le procès-verbal du conseil municipal du 29 janvier dernier ? Question donc adoptée. Donc je vous propose que nous commencions par les délibérations 30, 31, 32 concernant les sujets sur lesquels d'ailleurs Christian est intervenu tout à l'heure, notre politique globale en matière de solidarité, en l'occurrence sur le contrat local de santé, enfin qui est un sujet sur lequel on n'a pas de compétences obligatoires, mais sur lequel on intervient quand même relativement substantiellement. Donc Gérard. Merci, Monsieur le maire. Oui, cette première délibération, il s'agit d'approuver l'évaluation finale du contrat local de santé numéro 2 et sa prolongation d'un an jusqu'au 31 décembre 2024, le temps de refaire un diagnostic local et de s'appuyer sur cet audit et de refaire un CLS3 pour la période 2025-2029 qui sera contemporain du projet régional de santé 2024-2029. Concernant l'audit, je ne vais pas vous faire tout un laïus sur l'ensemble des états donnés par cet audit. Sachez que 80% des actions ont été réalisées selon les objectifs initiaux et 20% partiellement réalisées ou en cours de réalisation, parce qu'un grand nombre d'actions perdurent depuis le CLS1 et continueront sur le CLS3 toute une durée, je dirais, de la
politique sur le contrat, les différents contrats locaux de santé sur ces actions. Cet audit aussi avait comme pertinence de voir si certaines actions pouvaient être conduites telles quelles ou aussi être modifiées. Une action, et on est tous interpellés régulièrement, c'est sur l'accès aux soins de premier recours sur Caen, à savoir les médecins généralistes. Comme vous le verrez dans l'audit, notre politique d'accompagnement des pôles et des maisons de santé commence à porter ses fruits, où dans les années, je dirais, 2006-2009, le nombre de médecins généralistes annuels au 31 décembre était aux alentours de 144, évoluant à plus ou moins 2 par an, avec une chute dans les années 2010-2018, descendre avec un point bas de 134 médecins généralistes sur Caen. Dès le début de l'ouverture des pôles ou des maisons de santé, que nous accompagnons, bien sûr, hein, ce n'est pas nous qui les ouvrons, quoique nous sommes quand même de temps à autre très facilitateurs à travers la Canaise, et peut-être Mme Barillon pourra en dire un mot, lorsque le maire, par exemple, sur la Évigné, a pris la décision, malgré un certain nombre de dictats, je ne sais plus, Exxon, a pris la décision d'acheter le terrain sans condition, le pôle de la Évigné, sans le maire, il n'y aurait pas eu de pôle de la Évigné, sachant que depuis 2019, il y a une remontée des médecins généralistes. Le maire, non, la ville, oui. Oui, le maire, oui. Oui. La décision, c'était le maire qui l'a bien prise, quand même, pour la ville. Au 31 décembre 2023, 158 médecins généralistes installés sur Caen. On a une densité de médecins généralistes sur Caen actuellement qui est supérieure aux années 2000. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait une question ou une réflexion. Alors, monsieur Lecoutour, et puis Anne-Yann ensuite. Je vous donne la parole à tous les deux. Hein. Oui, merci, monsieur le maire. Je suis complètement d'accord avec le bilan du contrat local de santé, mais je voudrais aborder une autre question qui est à deux niveaux, concernant l'appel à partenariat que le CCAS a lancé concernant une mutuelle communale de santé. Alors, j'ai abordé la question au dernier conseil municipal. Malheureusement, monsieur Hurel, vous n'étiez pas présent, mais je voulais savoir où en était la réponse à cet appel à partenariat. Parce que le fait de lancer un projet de mutuelle communale de santé, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important. Le fait de ne pas avoir de mutuelle complémentaire santé, c'est la première cause de non-recours aux soins. Je pense que cette initiative était extrêmement positive et intéressante. Et donc, je voulais savoir où en était, premièrement, le bilan de la mutuelle Axiom que vous aviez lancée il y a 5 ans. Deuxièmement, si vous aviez eu des réponses sur cet appel à partenariat. Et puis troisièmement, et de façon plus fondamentale, je souhaite que lorsque le CCAS lance des initiatives aussi importantes et aussi intéressantes, je le dis, eh bien, le conseil municipal puisse en être informé d'une manière ou d'une autre. Le CCAS est une émanation de la ville que nous contrôlons, dont le président est le maire de la ville. Il n'est pas normal que le conseil municipal ne soit pas au minimum informé et qu'on puisse discuter des initiatives. Alors je sais qu'il y a des conseillers municipaux qui sont membres du conseil d'administration du CCS, c'est ce que vous allez me dire. Mais je pense quand même que ces débats et ces initiatives sont suffisamment importantes et cruciales pour qu'elles puissent être débattues ici au conseil municipal ou qu'on en soit au minimum informé. Donc trois questions. Première, quel est le bilan de l'initiative Axiom que vous aviez lancée il y a 5 ans? Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des réponses sur cet appel à partenariat et lesquelles? Troisièmement, quand pensez-vous possible d'informer le conseil municipal et d'associer le conseil municipal aux grandes initiatives que prend le CCAS? Je vous remercie. Oui. Oui, madame Anne, posez la question. Merci, on va enchaîner, merci, comme ça on pourra vous apporter les réponses.
Je me suis attachée au, comment dirais-je, au résumé de cette délibération. Et je me posais la question suivante sur les priorisations, parce que ces résumés font état de besoins de renforcement, notamment en matière de santé mentale, en matière de partenariat structurel, sur la santé environnementale, sur les addictions, etc. Alors, on ne peut pas être sur tous les fronts, bien entendu, parce que ce sont des champs immenses. Est-ce qu'il y a des priorisations dans ces domaines-là? Parce qu'on sait bien qu'en santé mentale, par exemple, ben, la tâche est vaste. Voilà, donc c'était ma question. Merci. Oui, monsieur Lecoutour, concernant la mutuelle, un axiome auquel nous avions fait un appel à projet il y a maintenant 5 ans, si nous lançons un nouvel appel à partenariat, c'est que le bilan ne nous satisfait pas de cette première, entre guillemets, mutuelle communale. Ce premier appel à projet de cette mutuelle communale nous a conforté dans ce que nous pensions, c'est-à-dire la cible à Caen et surtout senior, avec ASCOM, le contrat, plus de 80% était pour les seniors. Concernant l'appel à projet pour l'appel à partenariat que nous avons lancé dernièrement, j'y reviendrai au mois de juin parce que actuellement nous sommes en train d'étudier toutes les propositions que nous avons reçues concernant notre appel à partenariat. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons reçu un grand nombre de projets de mutuelles que nous étudions et nous reviendrons bien sûr au mois de juin pour vous en parler plus précisément, et notamment avec le choix de la mutuelle avec lequel le CCAS travaillera dans les 3 années à venir. Concernant les discussions des sujets structurants du CCAS, on en discute largement au CCAS. Il arrive que des sujets arrivent ici. Vous aviez déjà posé cette question. Et je m'étais allé regarder lorsque vous étiez en responsabilité entre 2008 et 2014. Vous n'aviez jamais posé cette question et aucun sujet du CCAS n'avait été à l'ordre du jour de vos débats. Madame Anne, la priorisation concernant les sujets, cette priorisation, elle aura lieu si nécessaire. Mais nous allons attendre quand même le diagnostic local de santé qui est lancé pour voir quelles sont les actions futures que nous devrons mener à travers le CLS3. Et bien sûr que nous prioriserons si nécessaire au niveau du CLS3. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il est bien précoce de savoir quelles actions nous allons mener au niveau du CLS3. Bon, alors donc sur ces deux délibérations concernant le contrat local de santé, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Très bien, merci. Après, le point suivant, là, qui est plus technique, j'allais dire. Oui, la deuxième découle de la première, c'est l'appel à proposition Action Santé que l'on passe chaque année concernant les deux, c'est ça, voilà. Le CLS. Et les subventions sont... travailler en concert avec l'ARS pour qu'il n'y ait pas un certain nombre de doublons sur ces subventions. Voilà, donc pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Donc ensuite, donc le risque mérule sur cette délibération, c'est donner un avis favorable au projet d'arrêté préfectoral et de cartographie associant la délimitation des zones à risque avec présence de mérules sur Caen qui concerne tout un quartier proche de la place Foch. Oui, c'est dans le quai. Et donc, cet arrêté préfectoral impliquera que les propriétaires qui réaliseront des travaux de traitement d'un logement concerné par la mérule devront le signaler à la commune.
et la commune sera censée chargée de centraliser l'ensemble des opérations réalisées dans le périmètre. Voilà. Et ensuite le transmettre à la préfecture. Voilà, j'imagine qu'il n'y a pas de... S'il y a... Oui, oui, Madame Monori, je vous en prie. J'ai une question. Je ne comprends pas dans la délibération l'indication que dans la cartographie annexée, la parcelle qui a déclenché le signalement ne sera pas identifiable. Ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on identifie la parcelle sur laquelle on a décelé la mérule ? Alors, ça m'apparaît. Nous, on ne veut rien du tout. C'est pas nous qui... C'est la préfecture. Non, je pense qu'effectivement, ça, il s'agit de respecter peut-être leur, effectivement, la confidentialité pour que tel ou tel ne soit pas mis à l'index, entre guillemets, comme si, effectivement, il était responsable de l'arrivée de la mérule à cet endroit-là. Il y a une responsabilité par rapport aux copropriétés voisines. Eh bien, mais je pense que... La mérule, c'est pas quelque chose de confidentiel. C'est quelque chose, au contraire, qu'il faut signaler. Il y a une obligation, mais bien sûr, c'est le sens de l'obligation. Je comprends pas cette phrase-là. Ça m'apparaît complètement contradictoire avec l'obligation de signalement quand il y a de la mérule dans un appartement ou dans une maison. Il y a l'obligation de signalement de la mérule dans une maison ou dans un appartement à la commune ou voire à la préfecture, mais que le nom ou l'adresse soit donnée en pâture dans le domaine d'une public... D'une manière générale, on le verra pour une autre délibération, les textes prévoient expressément qu'on ne signale pas, on a un sujet sur... Là, pour du coup, avec les carrières souterraines, qu'on ne donne pas forcément, qu'on ne publie pas le nom, voire le numéro de parcelle directement concerné pour respecter la confidentialité. Ce qui n'interdit pas que la personne, enfin le propriétaire du bâtiment, soit obligé de se déclarer auprès de la préfecture. D'accord. Voilà. C'est simplement une précaution en termes de la délibération étant évidemment un document public. Pardon. Lorsqu'il y a un diagnostic mérule dans une maison ou un appartement, il y a une obligation de déclaration à la préfecture ou à la mairie. Bon, cette précision étant apportée, on est tous d'accord pour lutter contre la mérule, évidemment. Donc, c'est donc adopté. Alors, ensuite, je vous propose de revenir à l'ordre du jour tel qu'il était initialement prévu, donc en commençant par le sujet d'éclat de rue avec une présentation du déroulé de cette saison. Patrick, Nicole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Donc, éclat de rue 2024, 42 compagnies, un très beau festival que tout le monde connaît maintenant. 42 compagnies accueillies cette année avec environ 60 représentations et un principe qui demeure évidemment la gratuité pour toutes ces représentations dans l'espace public. Ce festival est précédé, comme d'habitude, de chantiers artistiques. Deux se sont déjà déroulés dans les quartiers de Caen, l'un à Venois, l'autre à la Grâce de Dieu. Il y en aura un autre à la Pierreusée, un autre à Cormel-le-Royal, car il y a 9 communes de la CU qui sont associées au festival, et un cinquième dont le lieu et l'horaire restent à définir. La soirée d'ouverture de la saison aura lieu au pôle de vie nord-ouest. La programmation se fera comme d'habitude les jeudis et vendredis cette année du 11 juillet au 16 août, avec une journée famille le 2 août, comme d'habitude également au parc de la Fossette. Et l'éclat final, qui a été resserré cette année pour lui donner un aspect festivalier plus fort, se déroulera entièrement sur la presqu'île. Bien évidemment, c'est une volonté que nous avions de resserrer cet éclat final pour lui donner plus de brillance encore, plus d'effervescence. Le budget d'éclat de rue 2024, c'est 336 000 euros consacrés à la programmation et 36 500 à la communication. Voilà pour éclat de rue 2024. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre, bien évidemment. Oui, il y a une question de Madame Anne. Oui, question qui s'adresse à Monsieur Nicole. Pour les problèmes d'accessibilité, Monsieur Nicole, il semblerait qu'il y ait encore des difficultés. Alors j'imagine que au fur et à mesure des manifestations, vous améliorez le problème, mais ça m'a été rapporté, si vous voulez. Alors je voulais. Excusez-moi, quand vous parlez d'accessibilité physique, vous voulez dire ? Oui. Oui, oui. Donc voilà, c'est un point que je voulais vous
souligner. Merci. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y avait encore l'année dernière quelques petits problèmes d'accessibilité en fonction des lieux qui investissaient l'espace public, des compagnies, pardon, qui investissaient l'espace public. Nous essayons de résoudre tous ces problèmes au fur et à mesure, comme vous l'avez dit, en effet. Nous espérons que cette année, tout sera à peu près conforme. On n'a pas d'autres questions. Bon, ben, on prend acte de cette... Et on approuve évidemment cette saison avec la DRU. Même chose en fait pour Époque, donc le Salon du Livre. Alors, Époque 2024, Salon du Livre de Caen, avec un fil rouge cette année qui est le courage. Vous imaginez bien pourquoi, puisque nous sommes l'année du 80e anniversaire du D-Day et de la bataille de Normandie. Nous avons choisi ce fil rouge, le courage, mais qui doit être compris dans toutes ses acceptions. Hein. C'est pas seulement le courage des résistants ou de personnes qui étaient en difficulté à l'époque, c'est aussi le courage de ceux qui veulent s'affirmer dans la société aujourd'hui, affirmer leurs différences, etc., etc. Donc c'est toute cette thématique qui sera déclinée. Le festival se déroulera pour les deux journées publiques, les 25 et 26 mai prochain. Vous y êtes tous évidemment conviés. J'espère vous y voir parce qu'il y aura énormément d'auteurs présents, environ 130 auteurs en dédicace cette année. Il se déroulera avec, c'est un petit changement que je vous annonce, le festival Salon du Livre se déroulera cette année dans l'hôtel de ville et dans l'école du Duc Rollon uniquement. Il n'y aura plus le grand barnum en plastique blanc devant l'hôtel de ville. J'ai demandé à ce qu'on le supprime parce que je trouve qu'aujourd'hui, avoir un barnum en plastique blanc, ce n'est pas très conforme en termes d'éco-responsabilité. Donc les rencontres auront lieu dans les deux auditoriums du conservatoire, le grand et le petit, et dans les deux halles du CCN, la halle noire et la halle blanche. Voilà, la soirée d'ouverture aura lieu le 24 mai au soir à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Nous avons toujours les mêmes partenaires, et notamment un partenaire auquel nous tenons beaucoup, le Palais de la Porte Dorée, avec la présence de Madame Constance Rivière, la petite-fille de Madame Chantal Rivière, qui sera présente sur le salon. Non, pas de questions, tout est clair. Donc rendez-vous le 24 ou 25. 24 et 25. 24, 25, 26 en fait. Mais si on intègre la soirée de présentation, c'est le 24. Oui, oui. Très bien. Ensuite, est-ce que vous avez des questions sur les subventions de fonctionnement? Puisque cela dit, je dois vous dire qu'il y a une subvention qui a fait l'objet d'un retrait, parce que le dossier a évolué, c'est celle à la compagnie Noesis. Noesis. Oui. Noesis, pardon. Si, il y avait, alors là, j'ai plusieurs questions. Alors, Xavier Lecoutour, Francis Joly, Béatrice Ovnagnan, allez-y. Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais réagir au brillant numéro de Caen Mag sur la politique culturelle de la ville, où nous avons eu droit à tous les lourds investissements qui ont été menés par la ville, les grands événements, et je suis très, très étonné qu'il n'y ait pas eu un mot, pas une trace de toute l'activité relevant de l'éducation populaire avec les centres d'animation et la MJC. Si ce n'est pas de la politique culturelle, je ne sais pas ce que c'est. Quand même, ces centres d'animation, c'est près de 16 000 abonnés à Caen, dont 8 000 jeunes et 200 salariés. Et je pense, je ne suis pas mandaté par M. Nicole pour défendre ses prérogatives, mais je suis étonné quand même que l'adjoint à la culture ne dise pas un mot de ce domaine. Alors je sais que ça relève de M. Olivier, mais quand même, il y a un petit souci de gouvernance de la politique culturelle dans la ville. Au dernier conseil municipal, c'est Mme Bourris, et là encore, je l'aime bien, Mme Bourris, mais qui a présenté le projet à Mavada, et M. Nicole, sur ce projet très compliqué, n'a pas dit un mot. Et au total, le projet n'a même pas été présenté. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion interne à votre majorité pour coordonner un petit peu la politique culturelle. Les centres d'animation. Vous êtes en forme, ce soir. Oui, je continue. Les centres d'animation et les MJC, c'est quand même l'éducation des publics de demain pour la culture. C'est aussi la proximité. C'est aussi. Moi, je suis allé dans une MJC la semaine dernière. Vous avez résolu le problème, il n'y avait plus d'adjoint à la culture. Je continue.
l'action menée par ces centres d'animation est absolument cruciale. Mais on est d'accord, monsieur Lecoutour, on est d'accord. Que vous puissiez présenter la politique culturelle sans en parler. Vous allez dire que vous vous parlez tout le temps, je le sais bien, c'est ce que vous allez répondre. Mais, et Madame Gouguillon pourrait aussi prendre la parole, parce que la dimension éducative de tous ces centres est essentielle. Donc j'insiste beaucoup, et je dois vous avouer que certains animateurs et certains professionnels de ces centres ont été extrêmement choqués c'est sûr. De ne pas être... ne pas être cités, reconnus j'ai peut-être un nom en tête, dans ce que vous présentez comme la politique culturelle de la ville, qui est essentiellement de la... Excusez-moi, mais un peu de consommation et de beaucoup d'investissement. Deuxième point que je voudrais dire, il serait sain et intéressant de dissocier les budgets attribués au patrimoine et les budgets attribués à la politique culturelle. C'est très flou, vous allez nous dire que tout ça c'est cohérent, etc. Malheureusement, je crois que ce qui risque de passer à l'as, c'est la politique culturelle de fond, au sens où Jean Zay l'avait promu avant la guerre. Je vous remercie. Bon, on va vous répondre. Bon, alors ensuite, j'ai Francis Joly. Merci, monsieur le maire. Moi, je prenais la parole, puisque je suis content de voir qu'il y a une subvention qui est accordée à l'association Le Tympan. Mais je prenais surtout la parole pour souhaiter que Le Tympan reste sur la rive droite de Caen. Un conflit de voisinage a fait fermer la yourte qui abritait des concerts de jazz. Deux voisins se plaignaient du bruit généré. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord malgré les efforts qu'a pu porter l'association pour s'adapter, pour faire... Les efforts... Pardon ? Oui, non, mais on est d'accord sur le premier point de ton propos et on est en train de travailler justement pour maintenir, de fait, le tympan sur la rive droite. Après, les efforts, pour qu'ils aboutissent, il faut qu'ils soient partagés. C'est-à-dire entre ceux qui veulent aucun bruit et ceux qui veulent jamais renoncer à en faire, c'est compliqué. Donc voilà, donc merci en plus, si vous avez pris ça et en plus, compte, et que ça puisse rester à rive droite. Et en plus, avec le défenseur des droits qui se mêle d'un grand sujet de liberté publique comme celui-là, ça ne va pas faciliter les choses. Mais bon. Bon voilà, vous vouliez une opposition constructive ou déconstructive, puisque sur ce point, on sera d'accord. Exactement. Merci. On continue avec les questions. Ensuite, Madame Ondagnan. Oui, juste une question. Je vois que l'association Le Tympan fait partie... des bénéficiaires de subventions. Je voulais juste savoir où en était le dossier, justement, par rapport à leurs locaux. Ôtez-moi d'un doute, Madame Nagnan. Est-ce que vous étiez dans la salle il y a 30 secondes ? Excusez-moi, je ne vous entends pas. Ah, ceci explique cela. Donc, c'est pour ça, s'il y a des problèmes. Ceci explique cela. Effectivement, c'est un sujet que Francis Joly vient d'aborder, mais on va essayer de à nouveau répondre. Bon. Alors moi, on a un vrai sujet avec l'entreprise est revenue, mais j'ai tendance, je le dis, j'ai le DGS derrière moi. Je crois qu'il va falloir changer d'entreprise. Je ne sais pas qui c'est, moi, mais il y a un problème quand même, parce qu'on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'on doit y avoir des solutions techniques pour qu'on arrive à s'entendre, même si l'acoustique de la salle est particulière, enfin la configuration de la salle est particulière. C'est assez inconcevable qu'on n'arrive pas à trouver une solution et que là où vous êtes, effectivement, vous n'entendiez pas convenablement les propos de l'autre bout de la salle. Enfin. C'est... Ben oui, non, mais c'est pas normal. Alors, donc, peut-être que vous pouvez faire une réponse à plusieurs avec sur le sujet, effectivement, entre la politique culturelle globale, et je vous rassure, effectivement, il y a une assez bonne coordination entre les uns et les autres. Hein. D'ailleurs, si les acteurs culturels considéraient que la ville appauvrirait, se lançait dans une politique d'appauvrissement de l'offre culturelle, je pense qu'on les aurait beaucoup entendus depuis longtemps. J'ai même tendance à penser qu'on les a plus entendus en d'autres temps, par exemple quand il n'y avait plus d'adjoints à la culture. Mais bien évidemment qu'il y a une articulation naturelle entre les propositions qui sont portées par nos MJC, centres d'animation, et puis celles qui sont portées par les grandes institutions, mais aussi toutes les associations culturelles qui, évidemment, travaillent au quotidien ici à Caen. Mais je vous laisse, mes collègues, illustrer tout ça par quelques faits avérés. Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, bien entendu que le travail qui est mené au quotidien par les centres d'animation ou les MJC fait partie évidemment intégrante d'un ensemble bien plus large. Et il serait faux de penser qu'il y a un cloisonnement entre ce qui est fait par mon collègue Patrick Nicole ou Amandine François-Gauguillon ou même Sophie Simonet sur d'autres sujets.
honnêtement, les retours qui vous sont faits, bon, ils sont forcément biaisés, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas réels, hein, mais la réalité du terrain, c'est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez être très concret, à la direction de la culture, on a justement une personne nommée spécifiquement qui travaille avec les structures qui ont cette chance de bénéficier d'une salle pour pouvoir proposer une programmation culturelle, que ce soit à la Guérinière, à l'Abreuvoir, que ce soit au Sillon, à Tandem, et bientôt aussi dans le nouveau centre d'animation de la Prairie qui prendra place dans l'ancienne école Lemire au mois de janvier. Donc il n'y a pas du tout de cloisonnement dans la réalité de ce qui est vécu. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, et pour être tout à fait transparent, je rencontre quand même extrêmement quotidiennement, bah, régulièrement, les centres d'animation de l'IMJC. C'est un retour qui ne m'a jamais été fait. Donc il ne faut pas créer de polémique, là il n'y en a pas. Et évidemment que le travail qu'ils mènent sur le plan culturel est extrêmement important, notamment en termes de premier accès à la culture, sur en plus parfois certains quartiers de la ville qui n'ont pas un réflexe naturel pour aller dans ces stalles de spectacle. Le travail est bien mené, il est aujourd'hui mené avec en lien avec la direction de la culture. Je voulais revenir sur le tympan. Donc effectivement, il y a eu toute cette problématique avec certains riverains et de bruit lié à la yourte, il faut bien le reconnaître. Je pense quand même que la yourte, par sa forme, a tendance à amplifier le bruit et que ça surajouté à la problématique. Ce qu'il faut que vous sachiez, mais je pense que vous le savez, c'est qu'on les a récupérés dans la maison de quartier aussitôt que la décision a été prise. Et que même si je pense qu'ils n'étaient pas très emballés à l'idée d'arriver dans la maison de quartier, finalement, ça se passe plutôt bien, des retours que j'ai. Ça se passe bien. Oui, ceux qui viennent écouter le tapant sont contents. Alors que c'est vrai qu'on aurait pu dire, bon, c'est la maison de quartier, vous la connaissez, elle est ce qu'elle est, hein. C'est sûr que c'est quand même un peu une salle de réunion et apparemment ça se passe très bien. Pour l'instant, on n'a plus de soucis avec les riverains, mais là où je voudrais quand même rappeler, c'est qu'on est dans un lieu qui est entouré totalement d'habitations et ça demande de continuer bien la concertation avec le quartier. Donc, quelles que soient les activités, je ne pense pas spécifiquement au tympan, je pense à toute activité dans une maison de quartier comme celle-là, en plein cœur d'un lieu très habité. Quelle que soit l'activité qui est proposée, ça demande effectivement que l'association ou les associations concernées prennent le temps d'aller voir les habitants, de bien concerter avec eux, etc., etc. Ça aurait pu arriver avec d'autres types d'activités, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose dans toutes les maisons de quartier qui aujourd'hui sont vraiment très entourées d'habitations. Ça arrive parfois aussi à la Folie Couvre-Chef. Voilà. Donc c'est un vrai sujet qu'une localisation comme ça en plein cœur de quartier, surtout avec de la musique. En tout cas, écoutez, on est content d'avoir pu trouver une solution. Pour l'instant, elle fonctionne. C'est quand même mieux que rien. Hein. Et puis, je tiens quand même à dire que cette solution, elle a été trouvée avec les équipes de la ville, que je remercie, et qu'il a fallu quand même libérer les créneaux pour pouvoir répondre à l'ensemble de leurs dates. Donc, je tiens quand même à dire qu'on s'est tous mis autour de la table pour arriver à répondre en urgence à cette situation. Je vais ajouter quelques petites choses concernant le tympan, mais je voudrais d'abord répondre rapidement à M. Lecoutour pour redire, comme Aristide Olivier, qu'évidemment nous travaillons en commun et main dans la main, mais et lui dire aussi qu'il n'a pas véritablement bien lu, jusque dans les détails, les quelques pages sur la culture d'Encomag. Lorsque M. Lecoutour, j'évoque le travail qu'a fait l'ensemble de correspondance de Sébastien Dossé à l'école Vieira da Silva, à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est sinon de l'action culturelle de terrain? Voilà un exemple. Et il est bien évident, Monsieur Lecoutour, vous savez très bien ce qu'il en est, que lorsqu'on écrit un papier, et tout ce que j'ai dit n'est pas été repris forcément, la pagination fait qu'on manque parfois de place. Et on ne peut pas tout dire. Mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Pour le tympan, je voudrais dire une chose, parce que je suis très attaché à cette association avec laquelle je travaille main dans la main. J'ai reçu à maintes reprises, depuis que je suis à la culture, Mélanie Dallois, elle le sait, et malheureusement, la réunion de conciliation qui s'est faite entre les riverains et l'association a tourné court, et c'était en présence de la déléguée, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, de la déléguée de la défenseur des droits, qui à un moment a parlé pour les riverains de risques sanitaires. À partir du moment où la conciliation n'a rien donné,
j'ai pris la décision de fermer 4 mois seulement avant la fermeture qui était prévue. Hein. La fermeture était prévue en juin. Et il n'y avait déjà pas de concert pendant les vacances scolaires. Donc, nous travaillons, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, ensemble, main dans la main, comme je l'ai dit aussi, et nous allons trouver des solutions pour tout faire et essayer de maintenir, en effet, l'activité du tympan et de la yourte, ou en dur, on verra, en fonction de l'évolution des choses, sur la rive droite. Je vous remercie. Bon, donc, pour le reste, on vote les subventions, j'imagine. Merci. Ensuite, les aides au premier semestre 2024 pour les propositions du Studio 24, autre lieu de culture, effectivement, sur le théâtre en matière de spectacle vivant, enfin théâtre. Pas d'opposition, adopté. Le programme de la restauration de Saint-Étienne-le-Vieux. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Oui, allez-y. Oui, merci, monsieur le maire. Je soutiens évidemment cette restauration partielle, mais je voulais savoir s'il y avait derrière cette restauration des murs un projet culturel. Il y a une bonne partie de cette église, la nef, qui est à l'air libre. Ceci dit, l'abside, le chœur, la croisée du transept est couverte. Il y a un lieu abrité en centre-ville qui peut être dévolu à une action et un projet culturel. Je voulais savoir s'il y avait des projets dans ce genre. Ce serait aussi peut-être intéressant d'en profiter pour relancer le label Ville d'art et d'histoire, qui me semble un peu en sommeil. Merci. Oui, ben vas-y. Monsieur Le Coutour, puisque la restauration permettra plus exactement à terme de recevoir du public, il est bien évident qu'on peut imaginer une action culturelle sur le lieu. Mais nous n'y sommes pas. Il faut d'abord restaurer l'édifice, le sécuriser, le mettre en lumière, et ensuite nous verrons. Mais cela appartiendra au prochain mandat. Et évidemment, le but, c'est que ce soit un lieu qui soit le plus approprié possible par tous, les amoureux de patrimoine, mais pas seulement, bien sûr, parce que c'est un site assez unique, évidemment, qui ne demande qu'à vivre. Donc, pas d'opposition, merci. Ah, vous avez une autre question. Allez-y. Oui. Puisqu'on en est sur la restauration des équipements, je voulais savoir où en était le projet Fontête, non pas sur le projet hôtel Centre des Congrès, ça viendra en son temps, mais surtout sur le fait de prévenir la dégradation du bâtiment. Pour prévenir la dégradation des bâtiments. Il y a urgence à mettre des carreaux aux fenêtres. Je veux bien faire la quête pour vous donner des sous pour acheter des carreaux. Non, mais on attendrait surtout que vous n'ayez pas organisé indirectement un certain nombre de recours. On arrive au 80e, il va y avoir beaucoup de touristes à Caen, et je crois que la façade du Palais Fontête ne nous fait pas honneur. Les filets qui ont été mis pour éviter les pierres de tomber dégringolent sur les arbres. De temps en temps, effectivement, on enlève les adventices. Mais je vous signale qu'il y a là un petit souci à l'approche des événements qui vont arriver, qui vont drainer énormément de touristes sur Caen. Oui, ça ne nous a pas échappé, et c'est pourquoi nous avons hâte de pouvoir effectivement dépasser l'horizon des recours pour passer aux travaux pratiques, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes bien placé pour savoir, puisque vous êtes en immédiate proximité. Alors, ça, je me contente de dire ça. Alors, donc pour le Saint-Étienne-le-Vieux, c'est réglé. La gestion des centres socioculturels CAF dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez des questions ? Pas d'opposition, adopté. L'accès au droit, le conseil départemental d'accès au droit, adopté. Les subventions sport. Subventions sport, pas de questions, adopté. Oui, oui. On y vient. C'était avant, bon, ce programme. Bref. Bon, au titre de la jeunesse, la subvention à la MVD, personne adoptée, j'imagine.
Merci. Celle à Cap Loisir. Oui, vous aviez. Ah, vous vous abstenez. Oui, mais vous ne prenez pas part au vote, Madame Ovenagnan, c'est ça? Ah bon, c'est pour tandem d'habitude. Juste la parole. Allez-y. Oui, par rapport à ce soutien pour le financement des BAFA que je salue, est-ce que on connaît tous les difficultés actuelles qu'ont les centres de loisirs pour recruter, qui est un problème sur toute la ville? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres financements par la suite, une concertation, je suppose, qui est déjà en cours sur le recrutement d'animateurs? Voilà. Aristide. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, c'est un sujet assez prégnant que le manque d'encadrement pour les activités socio-éducatives. En revanche, la situation est moins tendue qu'elle ne l'était en septembre dernier. Pour avoir refait le point avec les structures, elles ont moins de difficultés aujourd'hui à recruter. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si on se met dans un temps un peu plus long pour l'encadrement des activités. En revanche, ça ne remet évidemment pas du tout en cause le dispositif qui est complété ce soir pour Cap Loisir sur le soutien de la ville pour accompagner financièrement le passage de ce diplôme-là. Je le rappelle, avec un engagement lié à cette participation, c'est celui évidemment de rester dans l'encadrement d'une structure cannaise, pas forcément de celle dans laquelle ils exercent au moment du passage de leur diplôme, mais avec l'engagement de rester en revanche sur une structure cannaise ensuite pour encadrer les activités. Donc ce dispositif, il va être évidemment, en tout cas cet accompagnement, il va être évalué comme on le fait sur chacun de nos dispositifs avec l'ensemble des structures, hein, puisque je les rencontre régulièrement dans un format élargi avec toutes les structures de la ville. Et si, évidemment, la tension reste celle qu'on connaît aujourd'hui, même si elle est moins importante qu'au mois de septembre, ce dispositif sera bien sûr prolongé. Voilà, donc après ces différentes délibérations sur le monde socio-culturel, alors un sujet de démocratie de proximité avec le renouvellement de nos conseils de quartier, donc avec une présentation faite par Madame Simonet, Sophie. Merci Monsieur le maire. Donc un bilan de ce nouveau mandat qui s'ouvre pour nos conseillers de quartier, puisque leur mandat est de 3 ans. Je vous avais présenté le règlement intérieur des conseils de quartier il y a quelques mois. Ces conseillers de quartier, ils sont, comme vous pouvez le constater, 748 au total sur l'ensemble de la ville de Caen, un chiffre que nous n'avons jamais atteint jusqu'à présent, et je voudrais vraiment m'en féliciter. C'est une excellente nouvelle que cette participation citoyenne accrue, pour laquelle je vois 3 raisons principales. La première raison, c'est que les quelques 200 conseillers de quartier qui étaient présents à la dernière assemblée générale de décembre dernier et qui ont participé à l'hôtel de ville justement à ce bilan et à qui on a proposé de pouvoir s'inscrire, de pouvoir continuer, ont tous souhaité continuer, et surtout ils ont été vraiment force, je dirais, de recrutement, puisque beaucoup d'entre eux sont allés, par le biais du bouche à oreille, dire l'importance que revêtait pour eux leur engagement en tant que conseiller de quartier. Ils en ont parlé dans leur quartier, ils en ont parlé sur les marchés cannais d'ailleurs aussi, et ils ont eux-mêmes en fait été force de persuasion pour aller recruter de nouveaux conseillers de quartier. Je voudrais aussi, dans un second temps, remercier tous mes collègues conseillers municipaux délégués de quartier qui, par leur travail sur le terrain au quotidien, contribuent justement à cette participation citoyenne. Et on voit ici vraiment le résultat tangible et en chiffres de cette dynamique de la participation citoyenne à Caen. Et puis je verrai quand même une troisième raison sur ce chiffre jamais atteint, hein, de 748 conseillers de quartier. C'est aussi qu'aujourd'hui, on propose notamment à nos conseillers de quartier de faire des choses très concrètes et très pratiques, notamment par le biais de nos projets des budgets participatifs qui sont en train aujourd'hui d'émerger territoire par territoire,
puisque je vous le rappelle, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, nous avons 15 projets de budget participatif pour un total de 4 millions d'euros qui sont en train de sortir sur l'ensemble des territoires cannais. Le premier ayant été inauguré samedi dernier, c'est le retour de la statue de De Molombe sur la place de la République, porté par le conseil de quartier du centre-ville de Caen, et qui est un très beau projet, premier des budgets participatifs, donc inauguré samedi dernier. Je veux bien qu'on revienne en arrière, juste sur la première diapo. Ah voilà. On vous a remis donc une répartition quartier par quartier de ces 748 conseillers de quartier. Comme la situation l'était déjà antérieurement, on a une très forte domination du pôle de vie centre-sud-ouest qui apparaît en orange, hein, donc avec les quartiers centre-ville, Hastings, Sévigné, Saint-Ouen et Venois-Beaulieu, qui constituent comme toujours des troupes très importantes, mais qui, vous le voyez aujourd'hui, c'est ce qui va être le cas dans les prochains mois, je vais vous parler du calendrier après, lorsqu'on les réunit en interquartier, vont être quasiment 300, ce qui aujourd'hui est effectivement une très très grosse force vive sur ces quartiers. Ensuite, on le verra, ça se voit un petit peu mieux avec un diagramme camembert, les trois autres pôles de vie, quand on additionne tous les quartiers, sont quasiment à égalité finalement pour chacun des trois pôles de vie. Au sein des pôles de vie et de chacun des quartiers, on a une augmentation dans tous les quartiers. Alors même des chiffres qui peuvent vous paraître peut-être moins importants, je regarde un petit clin d'œil à Rudine et Viadomski pour la grâce de Dieu, même si on peut se dire 41 conseillers de quartier à la grâce de Dieu, ça peut paraître faible, c'est en fait en très forte augmentation par rapport à l'existant du dernier mandat, puisqu'on est quasiment sur un doublement du nombre de conseillers de quartier. Comme on peut le constater, c'est toujours une question importante et difficile. On a parfois plus de mal à mobiliser sur certains quartiers prioritaires. Ce n'est pas une nouveauté, hein, ça a toujours été le cas. Là où il faut se réjouir, parce que moi j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, c'est par exemple la situation et de la Grâce de Dieu et la Guérinière, où on est dans des chiffres quand même en augmentation par rapport à la situation qu'on avait précédemment sur les conseillers de quartier. On est toujours sur des très très gros conseils de quartier, centre-ville, donc Hastings-Sévigné comme je le disais, Venois, mais aussi celui de Sainte-Thérèse-de-Milune-Vaucelles, qui reste aussi un des, et qui a toujours historiquement été un des conseils de quartier extrêmement chargés en nombre d'habitants. Ensuite, donc, je voulais vous faire aussi cette présentation parce qu'elle est assez intéressante, notamment le diagramme de gauche sur qui sont les conseillers de quartier. Un petit rappel avant. Je vous rappelle qu'il y a trois moyens de devenir conseiller de quartier, soit parce qu'on est un habitant volontaire, c'est ce qui apparaît en bleu et en vert sur le graphique. Donc vous voyez que ce sont la majorité vraiment des conseillers de quartier sont des habitants volontaires. Soit parce qu'on est un habitant qui a été tiré au sort, c'est ce qui apparaît en rose, donc les 172 sont des habitants qui ont été tirés au sort, et je vais revenir un peu sur le tirage au sort. Soit parce qu'on est un acteur local, c'est-à-dire quasiment dans presque toutes les situations, une association. On a donc, quand on regarde ce graphique, une très très forte domination des volontaires, des habitants volontaires, avec d'abord et avant tout des volontaires qui soit ont vu la campagne de communication, soit ont entendu par le bouche à oreille parler des conseils de quartier. Mais on a aussi les fameux 226 dont je vous parlais, c'est les 226 conseillers de quartier qui ont choisi de renouveler leur mandat et de vouloir continuer à travailler dans les conseils de quartier. Sur le tirage au sort, donc le tirage au sort, il est fait sur la base de 6000 personnes tirées au sort qui reçoivent un courrier et pour lequel elles doivent soit accepter, soit refuser le tirage au sort qui leur propose d'être conseiller de quartier. Donc comme vous le voyez, on est sur des chiffres qui restent très faibles, hein, puisque sur les 6000 tirés au sort, 172 seulement ont accepté de devenir conseiller de quartier. Mais, et vous allez le voir quand on verra les diagrammes suivants, ça nous amène quand même des parts de population extrêmement intéressantes, puisque lorsque l'on tire au sort, on tire au sort par tranche d'âge, ce qui nous permet de tirer au sort une part très importante, notamment de jeunes de moins de 25 ans, et vous allez voir là plutôt on a une très forte réussite sur ce volet-là. On tire au sort aussi des personnes de moins de 40 ans, et on tire au sort à parité hommes-femmes, ce qui va aussi avoir une incidence sur la répartition genrée.
Sur ce tirage au sort, donc du coup, vous avez vu, on serait à peine à 3% de réponses positives en ce qui concerne le tirage au sort. Mais, et ça, on l'a constaté depuis qu'on a mis en place le tirage au sort, c'est-à-dire depuis 10 ans maintenant, c'est un apport extrêmement intéressant puisque ce sont souvent des gens qui n'auraient pas forcément osé se présenter comme volontaires dans les conseils de quartier. La très bonne nouvelle, c'est le fameux diagramme par âge que vous avez ici, avec en rose 50 jeunes entre 17 et 25 ans, chiffre idem qu'on n'a jamais atteint. Et j'ai été obligée de rajouter donc les fameux 17, puisque la Benjamine des conseils de quartier n'a que 17 ans et a dû demander l'autorisation de ses parents pour venir participer. Ce groupe de 50, nous les recevrons spécialement avec Aristide Olivier, adjoint au maire en charge de la jeunesse, puisque l'idée c'est de travailler avec eux, interquartier évidemment, sur des besoins spécifiques d'un groupe de jeunes qui bien évidemment dans ces besoins spécifiques sont aussi la préfiguration sans doute de ce qu'on pourrait faire de type un peu conseil de la jeunesse et donc d'avoir un engagement et de favoriser cet engagement citoyen des jeunes. On a également, vous avez vu, une part importante des 25-60 ans. Évidemment, le tirage au sort nous y a pas mal aidé. Et donc, une part importante d'actifs, ce qui est aussi une des vraies bonnes nouvelles de ce renouvellement. Et puis, une part conséquente de plus de 60 ans, qui sont quand même, et il faut leur reconnaître cet apport, souvent des piliers dans nos conseils de quartier. Parce qu'on a beau faire toutes les réunions de toutes les plénières des conseils de quartier à partir de 18h, pour beaucoup d'entre vous qui, ici, dans cette salle, travaillent, ils savent bien qu'à partir de 18h, quand on a travaillé toute la journée et qui plus est qu'on a aussi des enfants, c'est pas non plus forcément toujours très simple de participer à des conseils de quartier. Ça, c'est donc la répartition par âge. La répartition par genre, vous avez vu, donne une très légère majorité aux femmes, mais en tout cas, on est quasiment à parité entre les hommes et les femmes sur les conseils de quartier de la ville de Caen. Pour terminer sur ces 748 conseillers de quartier, voici ce qui les attend dans les prochains mois. Nous allons faire une installation par pôle de vie des quartiers, donc le 5 avril sur le centre sud-ouest, ça sera à l'hôtel de ville et donc on est obligé de se mettre dans la salle du réfectoire, qui est la seule salle qui nous permet d'accueillir 300 conseillers de quartier. Le 9 avril sur la rive droite, donc tous les interquartiers de la rive droite, le 10 avril sur le nord-ouest et le 19 avril sur le nord-est. Cette réunion interquartier, elle va être l'occasion de présenter aux conseillers de quartier vraiment le fonctionnement des conseils de quartier, parce que comme on a un nombre important de nouveaux, ça va être aussi l'occasion de leur expliquer le règlement intérieur des conseils de quartier, comment fonctionnent ces conseils de quartier. Ça va être aussi l'occasion de leur présenter les équipes des pôles de vie des quartiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Ça va être aussi l'occasion de leur présenter les trois élus de chacun des interquartiers. Suivront quartier par quartier au mois de mai 12 réunions. Chaque conseil de quartier va pouvoir faire sa première réunion plénière et surtout mettre en place les commissions. Puisque dans chaque conseil de quartier, on a une commission cadre de vie, une commission animation, une commission budget participatif qui continue donc à suivre les réalisations des budgets participatifs. Et on aura aussi une commission en charge du budget participatif saison 2 qui sera un budget participatif concernant le millénaire de la ville de Caen qui va démarrer donc à la rentrée prochaine pour ces budgets participatifs spécifiques conseil de quartier pour le millénaire. On terminera pour ces installations le 22 juin prochain par une assemblée générale de l'ensemble des conseillers de quartier de la ville de Caen, avec notamment tout un travail et une présentation autour du millénaire, puisqu'on sait bien que ce sont des citoyens engagés, ces conseillers de quartier, et que pour le millénaire, effectivement, l'engagement des habitants sera fondamental. Donc on va pouvoir commencer à travailler ça à leur côté. Voilà pour ce point sur la participation citoyenne. Et évidemment, vous vous doutez que je me réjouis très fortement et je remercie encore l'ensemble de mes collègues qui ont travaillé autour de moi. Voilà, parce que je crois que c'est une vraie joie de voir autant d'habitants cannais prêts à s'engager à nos côtés. Est-ce qu'il y a des questions ? On en aurait davantage si ça ne marchait pas. Alors, donc on en... Ah, s'il y a une question. Oui, rue de l'Orphelin. C'est plus une curiosité en réalité. Merci pour cette présentation. C'est simplement pour avoir une précision, je ne sais pas si elle existe, mais sur les échelles d'âge telles qu'elles ont été présentées,
on a 17-25, 25-60 et plus de 60. Ça aurait été intéressant d'avoir une répartition un peu plus juste, parce que globalement, 25-60, c'est quand même très large. Donc voilà, je ne sais pas si ces données existent, mais en tout cas, si elles existent, elles viendraient utilement compléter la présentation qui vient d'être faite. Sophie, oui, on doit pouvoir avoir ça, je pense. Oui, pardon. Donc, je pense qu'on doit avoir une partie de l'information, notamment parce que dans notre tirage au sort, on a tiré aussi par catégorie de moins de 40 ans. On avait toute une catégorie des moins de 40, donc on avait rajouté ce segment-là, 25-40. Donc je peux demander aux équipes savoir si on a... Alors je ne suis pas sûre qu'on est plus précis, mais en tout cas, je pense qu'on peut peut-être trouver les 25-40 et les 40-60. Donc si on a ça, oui, on peut le dire. Parce qu'on sait que c'est plus difficile quand on est en pleine activité, bien sûr. Bon, en tous les cas... On va passer à un autre sujet, donc le règlement local de publicité. Alors même s'il s'agit d'un sujet intercommunal, il est bien naturel qu'il y ait une présentation évidemment à l'échelle de la ville, donc en conseil municipal. Donc Nicolas, tu dis quelques mots peut-être en introduction. Bonsoir, chers collègues. Alors je vais essayer de parler assez près du micro pour être entendu. Voilà. Donc une présentation pour revenir à nouveau sur le sujet du RLPI, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer le règlement local de publicité intercommunale dans cette enceinte, notamment au stade des orientations, passer une phase de diagnostic à l'échelle de Caen-la-Mer, comme l'a rappelé le maire, on est bien sur un document qui est à l'échelle de tout le territoire de Caen-la-Mer. Des orientations ont été débattues en conseil communautaire et dans les conseils municipaux. S'en est suivi une traduction réglementaire, c'est la phase qui s'est déroulée courant 2023, avec une concertation notamment, et il convient maintenant d'arrêter le projet de RLPI. Donc on a eu un arrêt du projet en conseil communautaire, et les avis des communes sont sollicités sur cet arrêt du RLPI. Il sera ensuite approuvé à l'automne 2024. J'évoquais une concertation, le retour de cette concertation, donc deux réunions publiques se sont tenues, deux réunions avec les personnes publiques associées, deux réunions avec les personnes concernées, des outils de concertation qui ont été mis en place, pour pouvoir interagir et donner son avis à la fois en version numérique avec une page internet dédiée, notamment la possibilité de s'exprimer par mail ou dans un registre dans les différentes communes de Caen-la-Mer et au siège de la communauté urbaine. En termes de participation, voici comment sont réparties les contributions avec les types de public. Plus de la moitié des contributions proviennent des professionnels de l'affichage, un quart des associations et puis 20% des habitants citoyens. Un retour sur les règles du RLPI et en différenciant deux règlements finalement à l'intérieur de ce RLPI. Un premier règlement qui concerne les enseignes. Alors un premier, il apparaît sur la diapo en premier, mais on y viendra en deuxième dans la présentation. Et puis un autre règlement concernant les préenseignes et les dispositifs publicitaires. La différence essentielle entre ces deux catégories, c'est que les dispositifs publicitaires et les préenseignes font publicité de quelque chose qui est commercialisé, non pas sur le site de la publicité, mais plus loin ou ailleurs. Les enseignes, on est sur un dispositif de publicité qui est commercialisé sur le lieu même de la publicité. Donc voilà comment est régi ce règlement. Donc sur le sujet des publicités et préenseignes, pour commencer, alors c'est une évolution de notre RLP qui date de 2013 ou début 2014. L'élaboration s'est faite à cheval sur cette période. Donc par rapport au dispositif actuel, on a des dispositions plus restrictives. Elles sont majoritaires, vous allez le voir sur les diapositives suivantes. Donc elles seront remarquées avec un petit plus. Des dispositifs qui sont finalement similaires au RLP actuel. Et puis des dispositions qui sont un petit peu moins restrictives que le RLP actuel. En termes d'impact par rapport au paysage très concret, on est surtout sur une régularisation de quelques dispositifs existants. On va revenir dessus tout à l'heure.
Premier sujet qui concerne Parvis et quai de gare, et on précise uniquement gare, donc il n'y a que la gare de Caen sur notre territoire qui est concernée, ça ne concerne pas les stations de tramway, c'est une question qui est régulièrement revenue dans les échanges, néanmoins ça doit faire l'objet d'un point spécifique, donc on a un règlement qui est spécifique sur les quais de la gare et qui encadre la limite, notamment la superficie des publicités qui sont scellées au sol et qui seront encadrées à 2 mètres carrés sur les quais de gare notamment. Sur les interdictions maintenant. Donc on rappelle qu'on a introduit, et vous voyez notamment des plus apparaître sur cette diapositive-là, des publicités qui seront interdites sur les murs en pierre apparente, qui est un dispositif qui n'existe pas dans notre RLP actuel sur Caen. Donc on voit bien un plus, on est bien dans une restriction par rapport à ce qui existe aujourd'hui. De même, la publicité sur tout type de végétation sera interdite. Aujourd'hui, il y a une distinction qui réglementairement est assez difficile à appréhender de type de végétation sur laquelle c'est autorisé ou interdit. Là, pour avoir une lecture plus simple et une meilleure protection du paysage, nous interdisons la publicité sur tout type de végétation, ainsi qu'aux abords des espaces naturels. On a un corridor de part et d'autre des espaces naturels qui encadrent cette interdiction. Les publicités sur bâches de chantier ou sur bâches publicitaires, la publicité sur des bâches publicitaires, pardon, seront par ailleurs interdites. En termes de cartographie ensuite, on a trois zonages à l'échelle de la ville de Caen. Alors on prend cette carte de Caen-la-Mer pour situer notre débat cannais dans un enjeu communautaire, donc une sectorisation qui est plus complexe et plus différenciée sur tout le territoire de Caen-la-Mer. Si on zoome ce zonage sur le territoire de Caen, trois types de zones. Les centres commerciaux qui apparaissent en bleu, les zones commerciales qui apparaissent en bleu, les zones qui sont des zones résidentielles, à majorité résidentielle, qui apparaissent en orange, et puis quelques grands axes de circulation qui apparaissent en vert. Et c'est selon cette déclinaison que vont être réglementés les différents dispositifs qui sont rappelés dans les différentes colonnes que vous avez là. Avec par-dessus cette cartographie, le site patrimonial remarquable, notre SPR, qui vient se superposer à ces différents zonages. Donc, par rapport au site patrimonial remarquable, aujourd'hui les publicités y sont interdites. Alors notre précédent RLP ne les interdisait pas puisque le SPR n'était pas en place. Donc des dispositifs sont venus s'installer entre le RLP précédent et l'approbation du site patrimonial remarquable. Donc là, en termes d'interdiction, on vient interdire toutes les publicités, sauf celles qui sont sur le mobilier urbain et les affichages libres. Typiquement, ce sont les petits panneaux de 2 mètres carrés qui sont situés notamment sur le secteur du centre-ville. Et puis sur la publicité sur mur, une dérogation à 2,5 mètres carrés dans le rayon des 500 mètres et hors co-visibilité par rapport au monument historique. Donc deux points qu'on précise, on voit effectivement des moins sur ce secteur-là puisque ça correspond en réalité à des régularisations de dispositifs qui sont venus s'implanter. Sur les autres secteurs, on observe très largement une restriction et une restriction qui se retrouve évidemment dans le texte, mais qui va aussi se retrouver sur le terrain, puisque dans les secteurs à majorité résidentielle, par exemple, les publicités sur mur sont aujourd'hui autorisées jusqu'à 10 mètres carrés, un peu plus de 10 mètres carrés. Demain, elles seront autorisées, mais à des superficies inférieures à 5 mètres carrés. Alors, on a des virgules et on n'est pas sur des arrondis parce que ça correspond aux dimensions standards hein, des types d'affichage, d'où ces superficies qui ne sont pas arrondies. Donc, on vient diminuer de moitié la superficie des publicités qui sont autorisées. Sur les zones d'activité, on aura interdiction de publicités scellées et installées au sol, alors qu'elles sont aujourd'hui autorisées
dans le RLP de la ville de Caen, et on vient restreindre les publicités sur mur et sur clôture de la même superficie que dans les zones pavillonnaires, inférieures à 5 mètres carrés, alors qu'aujourd'hui, comme dans les zones pavillonnaires, elles sont autorisées au-delà des 10 mètres carrés. Donc là, on divise par deux également la superficie des publicités qui sont autorisées. Sur la publicité numérique, donc autorisée uniquement sur le mobilier urbain dans le secteur patrimonial, donc ce qui correspond à des affichages qu'on a d'ores et déjà dans le centre-ville, on vient restreindre la superficie dans les secteurs à majorité résidentielle, les affichages, puisqu'aujourd'hui, c'est un affichage de 8 mètres carrés qui est autorisé à travers le règlement national de publicité pour un sujet qui, je crois, n'est pas réglementé dans notre RLP actuel. Donc, c'est le règlement national qui prend le relais. Et donc, aujourd'hui, c'est 8 mètres carrés. Demain, ça sera moins de 5 mètres carrés pour des dispositifs au mur et 2,5 mètres carrés maximum pour des dispositifs scellés au sol, par exemple. Donc, ce qui est le cas pour les zones résidentielles et pour les zones d'activité. En termes d'extinction horaire, on va pousser plus loin les plages d'extinction, puisqu'aujourd'hui, on est entre 23h30 et 6h en heure d'hiver, entre minuit et 6h en heure d'été. Donc, on élargit à partir de 22h l'obligation d'extinction donc sur ces mobiliers. On reviendra plus en détail sur certains sujets, si vous le souhaitez, lors des questions. Sur les enseignes, désormais, donc en faisant bien la distinction entre publicité pré-enseigne, donc on ne fait pas la publicité de quelque chose qui est commercialisé sur place. Là, sur les enseignes, on est sur une publicité qui fait état de quelque chose qui est commercialisé à l'adresse, sur place, sur l'unité foncière. Donc là, ça s'adresse en termes de public davantage à des publics commerçants, à des enseignes commerçantes. Donc par rapport au végétal, aux enseignes sur le végétal, par parallèle avec la publicité, on interdit les enseignes sur la végétation, sur un arbre ou sur n'importe quel type de plantation. On interdit également les enseignes sur des équipements de circulation routière, ferroviaire, etc. Donc sur les panneaux, pour faire le parallèle sur ce sujet bien précis entre la publicité et les enseignes, tout comme sur les abords des espaces naturels où on les interdira. Sur ces différents sujets, vous avez des plus, on vient sur davantage de restrictions par rapport à ce qui existe aujourd'hui. De même, on va préserver davantage les garde-corps, les barres d'appui de fenêtres, de balcons, les balconnets, en venant restreindre les enseignes sur ces éléments pour davantage valoriser le patrimoine. À l'image de la publicité, les enseignes font l'objet d'un zonage pour leur règlement. Donc on va avoir deux zonages sur la ville de Caen. Le zonage des zones d'activité économique en bleu et puis le zonage qui représente une très très large majorité de la ville de Caen, des zones qui sont davantage résidentielles et notre centre-ville. Donc sur les enseignes et notamment sur le secteur patrimonial, alors là vous avez des plus sur le secteur patrimonial et sur les zones résidentielles, donc ça veut dire qu'on vient mieux encadrer, peut-être aussi pour plus de lisibilité, les enseignes pour éviter de voir fleurir et parfois de manière multiple sur une même adresse les différents panneaux. Donc les enseignes parallèles sont les enseignes qui sont affichées au mur et donc on vient porter des obligations, notamment de mettre en place dans le secteur patrimonial des lettres et des signes découpés, ce qui n'est pas forcément obligatoire aujourd'hui. Sur les enseignes perpendiculaires, on vient aussi encadrer, on va dire, la superficie des enseignes perpendiculaires en drapeau hein, qui viennent perpendiculairement aux façades. Et puis on va venir aussi restreindre la densité de ces enseignes pour contraindre à une seule enseigne
par adresse. Donc s'il y a aujourd'hui plusieurs panneaux, il sera demandé d'avoir un regroupement sur une seule enseigne drapeau, une seule enseigne perpendiculaire des enseignes existantes. Sur les enseignes installées ou scellées au sol, donc, il y a une distinction selon les superficies. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents règlements. Là, l'objectif a été d'encadrer à la fois la superficie et la densité pour pouvoir donner plus de visibilité et puis pouvoir valoriser aussi par la réduction du nombre, pouvoir valoriser beaucoup plus le patrimoine qu'on peut avoir dans certains secteurs. Je pense notamment au secteur centre-ville où parfois la multiplicité des enseignes ne permet même plus leur lisibilité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces dispositifs-là. Néanmoins, on pourra revenir sur ce sujet s'il y a des questions particulières. Autre sujet qui va être mieux encadré qu'il ne l'est aujourd'hui, ce sont les dispositifs qui sont à l'intérieur des vitrines, puisque la surface demain sera limitée à 20% de la surface totale des vitrines et des baies vitrées, sans dépasser les 2 mètres carrés. Donc ça vise aussi à garder des vitrines qui soient transparentes, dans lesquelles on voit à l'intérieur depuis l'extérieur et réciproquement, tout en permettant néanmoins d'avoir un affichage publicitaire. Donc voilà quelques mots sur ce règlement. Je ne doute pas qu'on va revenir dessus à l'occasion de questions qui auront été préparées ou pas. La suite de la procédure, donc l'arrêt du RLPI en Conseil communautaire le 1er février a été évoqué. On est dans une période où on collecte les avis. La communauté urbaine collecte les avis des communes, des personnes publiques associées notamment. Une enquête publique d'un mois en juin 2024, un rapport du commissaire enquêteur en juillet, d'éventuels ajustements que la communauté urbaine pourra proposer au début de l'automne pour une approbation du RLPI à la fin de l'automne. Je vous remercie. Alors, Xavier Lecoutour, puis Alexandra Belzoudi. Oui, merci. Un certain nombre de points de ce futur règlement sont des progrès par rapport au précédent. Certains points restent à améliorer, mais je voudrais, on en a déjà parlé à l'aglo, mais je voudrais insister sur un point qui me paraît important parce que nous voyons que l'actuel règlement local n'est pas respecté et que depuis des années, et je pense que ce n'est pas uniquement sous vos municipalités successives, ce règlement n'est pas l'objet d'une action suffisamment efficace pour se faire respecter. Concrètement, je pense que si nous avons un débat qui annonce des règles très, très draconiennes dans certains domaines, eh bien, les industriels de l'affichage utiliseront en particulier cette règle qui consiste à leur donner 6 ans pour régulariser la situation. Et ce que je crains, moi, c'est un effet d'aubaine où nous allons voir fleurir dans les mois précédant l'adoption définitive du RLPI, les implantations qui seraient illégales avec le futur RLPI. Et donc la question que je pose, elle est juridique. Est-ce qu'il existe, selon vous, un moyen, premièrement, de diminuer cette période de 6 années et, deuxièmement, d'appliquer une sorte de sursis à statuer, identique à ce que nous faisons en particulier pour les permis de construire, qui serait incompatible avec le PADD du futur PLU qui sera adopté dans 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on ne peut pas non plus passer un temps fou à élaborer un RLPI vertueux et ne pas se donner les moyens de le faire respecter et en tout cas de prévenir les dérives et les effets d'aubaine que ne manqueront pas, je le crains, de mettre en place ceux qui profiteront pendant des années d'un délai de carence, à mon avis, de notre part, pour le faire respecter. Merci. Oui, peut-être que tu peux répondre sur... Oui, on va faire au fur et à mesure, et puis je vous passerai la parole après, Madame Belzoudi. Une réponse rapide, j'entends cette crainte. Alors, le délai de mise en conformité est de 2 ans pour la publicité, pas 6, 2 ans, et on est effectivement là sur le public des publicitaires. Sur les enseignes, en revanche, là où la typologie concerne beaucoup plus les commerces notamment, on est sur 6 ans
de mise en conformité. Donc il y a quand même cette distinction à faire. On est sur un délai assez court de 2 ans pour les enseignes publicitaires, ce qui permet de modérer la crainte que vous avez et qu'on pourrait partager. C'est qu'en 2 ans, le coût d'installation, malgré tout, du panneau qui est relativement important, ne permet pas néanmoins de trouver un équilibre. Il n'existe pas, contrairement au sursis à statuer, couvre l'adoption, enfin le débat sur un PADD, par exemple, sur une autorisation d'urbanisme, sur un permis de construire, sur une déclaration préalable, il n'existe pas de dispositif similaire sur de l'affichage publicitaire. Donc on n'a pas cet outil-là, d'un point de vue juridique, pour empêcher. Le règlement va évoluer, c'est à l'évolution du règlement que ça sera interdit, mais dans l'attente, on n'a pas cette possibilité. Alors, Madame Eljoudi. Oui, merci. Donc, vous annoncez donc un règlement de publicité, un règlement plus restrictif par rapport à la loi, et c'est effectivement une démarche vertueuse dont on peut se féliciter. Plus la publicité est restreinte, eh bien, plus cela bénéficie aux riverains, mais aussi au tourisme, aux commerçants locaux et indépendants, en ce qu'elle ne s'impose pas à nous. Et en effet, nous devons préserver notre qualité de vie, notre patrimoine et valoriser notre territoire. Vous m'entendez bien ou pas ? Merci. Donc, c'est important de distinguer la publicité qui fait la promotion du modèle de la surconsommation. Cette publicité est polluante, d'une pollution visuelle directe qui s'impose à tous. La publicité est par nature un message que l'on n'a ni désiré, ni provoqué, et indirect au regard de son contenu et ou de son but, la surconsommation. À distinguer donc de la publicité de nos commerces locaux et indépendants, notamment, qui font la spécificité et le charme de notre ville, mais aussi de la non-publicité, et plutôt de la communication associative, culturelle et institutionnelle. Donc vous annoncez le choix d'une réglementation plus restrictive, cela semble aller dans le bon sens, mais j'aurais 3 remarques. Associées à ce que vient de dire Monsieur Le Coutour, quels sont les moyens pour rendre ce règlement effectif? Quels sont les moyens de contrôle et quels sont les moyens de coercition? Ce règlement est plus restrictif, ce n'est valable que si c'est effectivement appliqué. L'amende est prévue au Code de l'environnement et ce serait donc appliquer la loi. J'aurais envie de dire aussi que ce serait être juste vis-à-vis des acteurs économiques, de ceux qui respectent la loi. Je crois qu'on avait évoqué aussi qu'une part importante de la publicité est illégale. Si vous pouviez repréciser ça dans les moyens affectés du coup en conséquence. Ensuite, nous regrettons qu'il n'y ait pas de positionnement fort concernant la publicité numérique, qui continue dans un certain cadre à être autorisée, une publicité numérique qui est fortement consommatrice d'énergie. Selon les lois Grenelle, pour conjuguer protection du cadre de vie, lutte contre la pollution visuelle et favoriser les économies d'énergie, il aurait été heureux et bien efficace d'interdire toute publicité numérique. Ce n'est pas le choix que vous faites, ni même, semble-t-il, d'en limiter la puissance lumineuse ou ni même de la couper lors des pics de pollution, par exemple. Enfin, des villes comme Grenoble, Nantes ou Lyon ont fait le choix de réduire drastiquement la publicité, Grenoble jusqu'à 90%. Des villes comme Grenoble qui ont enclenché leur démarche depuis 2015, et à Grenoble, monsieur le maire a remplacé les colonnes publicitées par des arbres. Bon, ici à Caen, nous regrettons encore une fois que nous sommes tout de même en retard et encore trop frileux. Après la loi Evin sur l'alcool et le tabac, l'Assemblée nationale vote une loi interdisant la publicité de la fast fashion au regard de son caractère délétère. Dans ce contexte de connaissance des impacts de notre hyperconsommation sur l'environnement, nous avons aussi en qualité d'élus une responsabilité. Ce règlement reste encore trop permissif concernant la publicité de l'hyperconsommation qui nuit à notre cadre de vie, à notre environnement et à la santé de tous et tous. Vous
Oui, on va prendre les dernières questions. Oui. Oui, Aurélien Guidi. Oui, juste pour compléter ce que viennent de dire les collègues. Ma question porte sur la publicité lumineuse et les enseignes lumineuses, où effectivement, on se retrouve là avec un règlement qui n'est pas très restrictif, c'est le moins qu'on puisse dire. Concernant les enseignes, il est prévu donc une extinction de 1h à 6h du matin, sauf activité particulière. Mais jusqu'à présent, cette interdiction de laisser les enseignes allumées n'est pas respectée, effectivement. Et comment comptez-vous faire respecter cette réglementation ? Première question. Ensuite, vous avez fait le choix de sortir de cette obligation d'extinction la publicité lumineuse. Pourquoi ? Clairement, pourquoi ? Pourquoi quelque chose que l'on applique dans un souci de sobriété, pourquoi qu'on applique aux enseignes publicitaires, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour la publicité ? Voilà. Enfin, alors vous allez peut-être répondre que c'est parce que la réglementation n'est pas encore au point, qu'on attend le décret d'application du ministère de l'Environnement. Peut-être que c'est ça votre réponse. Alors, du coup, ma question, c'est où est-ce qu'on en est par rapport à ce décret d'application concernant la publicité lumineuse ? Parce que se pose, par exemple, la question, Alexandra l'a soulevé, de l'intensité lumineuse. On n'a pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de limitation de l'intensité lumineuse pour la publicité numérique et lumineuse. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans certains endroits de notre ville avec des publicités. Je pense par exemple au niveau du boulevard Jean Moulin. Je pense par exemple au niveau de l'avenue Henri Chéron avec de la publicité lumineuse qui éclaire la nuit, quoi. Mais clairement, où on est. Alors vous allez me dire, ça permet peut-être justement pour les particuliers de faire des économies d'éclairage, puisque en étant chez soi, la fenêtre, enfin les volets ouverts, on voit comme s'il faisait jour, quoi. Je caricature à peine. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ici le choix justement de réduire ce mésusage, clairement, de la publicité, et même, enfin, je vois pas. Personnellement, je ne vois vraiment pas l'intérêt de maintenir la publicité la nuit. À un moment donné, les choses doivent s'arrêter. Voilà. Oui, ça va être éteint. Oui. Bon, enfin, je vais laisser Nicolas répondre. Alors, après, il y a un point sur lequel vous avez raison. Il en va de même d'ailleurs pour les prescriptions d'urbanisme, hein, par exemple les clôtures, la capacité qu'on a à réellement faire respecter les choses. Donc, ça, c'est pas complètement faux. Ah, Madame Ovnanian avait une autre question, une question en appelant une question. Alors, on va peut-être passer aux réponses. Ah non, allez-y, Madame Ovnanian, si vous êtes. Je vous entends plus là. Ah. Est-ce que vous avez une question ? Oui. Allez-y. C'était simplement pour demander si, par rapport justement à la publicité, est-ce que nous, en tant que ville, en tant pour les panneaux d'information de la ville, est-ce que nous allions nous soumettre au même cadre. L'égalité des citoyens devant la loi, oui, c'est un peu la même chose. Alors, je vais laisser Nicolas répondre sur les différents points, avec l'assistance de madame, parce que tout ça est un sujet qui n'est pas si simple, hein, entre la terminologie enseigne, publicité, enfin voilà, il y a un certain nombre de points à appréhender. Oui. Oui, et puis sur un sujet qui, encore une fois, il faut le répéter, a fait l'objet de discussions à l'échelle intercommunale avec des zonages qui sont présents sur la ville de Caen, mais pas que. Donc on est aussi sur un débat intercommunal. Donc la ville de Caen est aujourd'hui sollicitée, mais les règlements sur les zones commerciales sera le même sur les zones commerciales cannaises, Kérouvillès par exemple, Ouistreham-Metz, et idem sur les zones pavillonnaires, on sera sur le même règlement quel que soit le territoire de la communauté urbaine, et ce règlement a aussi fait l'objet d'une concertation à cette échelle-là. C'est quand même important de le repréciser. Par rapport à la publicité nocturne, et vous évoquiez la publicité numérique, les enseignes et la publicité sont, je vais dire, à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il y a une extinction dans les deux cas de 22h à 6h. Je n'ai peut-être pas cité la ligne du tableau quand on parlait des affichages publicitaires. J'ai souvenir de l'avoir cité pour les enseignes, effectivement, mais on est sur les mêmes règles d'extinction. Et pour répondre à la question de Béatrice, le mobilier urbain, les panneaux sur lesquels la ville a ses informations municipales, sera soumis aux mêmes règles d'extinction
de 22h à 6h. Donc, que ce soit une enseigne, que ce soit un dispositif publicitaire, que ce soit du mobilier urbain, cette extinction devra être effective de 22h à 6h. Donc on est bien sur un pied d'égalité sur ce sujet-là. Bon, je ne vais pas réagir par rapport aux effets d'annonce qu'auraient pu faire certaines villes et qui sont peut-être d'ailleurs suivis des faits. Hein, je ne suis pas allé constater sur place. Mais quand on change un règlement, on a certains panneaux qui sont aujourd'hui existants qui deviennent de fait illégaux. Ça permet parfois d'afficher une très grande réduction. Mais par ailleurs, on a des règles dans des secteurs qui évoluent et qui peuvent ouvrir des droits à des panneaux qui n'existent pas. Donc peut-être que certains naturellement préféraient communiquer sur la réduction de panneaux aujourd'hui existants qui ne seront plus réglementaires en affichant du moins 80% sans peut-être citer la deuxième partie du règlement. Donc moi, je ne vais pas aller sur un chiffre hasardeux à moyen long terme sur l'évolution de cette... Du paysage urbain par rapport à cette réglementation. Ce qu'on a essayé de travailler à travers ce règlement, c'est de rationaliser, notamment dans les secteurs où on a une très grosse densité, qui parfois va finalement de manière contre-productive même par rapport à des enseignes, régler la densité des enseignes, donc en demandant des regroupements pour avoir une densité qui soit un peu moindre et une certaine lisibilité. On a cherché à diminuer la superficie et donc l'impact environnemental et urbain de la publicité. Vous avez vu qu'on divisait par deux dans nos nombreuses zones, y compris zones commerciales, la superficie des panneaux qui demain seront autorisés. Donc on a cherché à réduire cet impact au maximum. En tout cas, ce qui nous semblait le maximum gérable aussi, eu égard qu'on a interdiction de tout interdire, puisqu'il y a par ailleurs un droit de publicité qui existe, et donc on n'a pas le droit de tout interdire, y compris en matière de publicité numérique, c'est-à-dire qu'il y a un minimum qui doit être autorisé. Donc on a essayé d'encadrer cette autorisation, de faire un pas en avant, et puis être aussi crédible entre un règlement qui est proposé et puis une application de ce règlement, puisque finalement c'est le point que vous citiez. Et peut-être que le meilleur moyen demain d'être crédible sur l'exécution de ce règlement, c'est aussi d'ouvrir des droits pour que la réduction se fasse, mais ne soit complètement envisageable techniquement, pour que des panneaux qui sont aujourd'hui trop imposants et trop importants se reportent de manière plus petite et dans des secteurs moins en jeu patrimoniaux. C'est en tout cas le travail qui a été réalisé. Par rapport aux moyens, on a du contrôle qui se fait sur le contrôle des déclarations d'urbanisme et sur la publicité sur la ville, avec des leviers parfois intéressants, parfois assez inefficaces aussi, il faut bien le reconnaître, quant à l'application in fine d'une décision publique. Il va y avoir également du renouvellement qui va s'opérer, je pense notamment aux enseignes. On a, même si les chiffres qui étaient cités, je le dis sous le contrôle de Camille, j'ai souvenir de la présentation de l'Observatoire du commerce qui mettait beaucoup d'indicateurs au vert, on a du turnover, mais ce qui est naturel et souhaitable aussi tant qu'il est maîtrisé. Donc par rapport à l'enjeu des enseignes, que ce soit des anciennes drapeaux, des anciennes façades, le turnover naturel du commerce va permettre petit à petit finalement de re-rentrer dans les clous sur des dispositifs qui ne sont pas aujourd'hui aux normes, au-delà du fait qu'ils ont 6 ans pour se mettre aux normes, et puis il faudra opérer du contrôle sur le sujet de la publicité. Après, je ne vais pas vous faire un discours démagogique sur comment va évoluer le paysage urbain avec ce règlement. La grande intention, c'était de maîtriser ce qui est lumineux, que ce soit sur la publicité, à l'intérieur des vitrines ou sur notre mobilier urbain, et d'essayer de rationaliser le reste par rapport à la superficie et à la densité proposée, puisqu'on n'a pas évoqué les densités non plus d'enseignes sur des enseignes qui sont parfois dans des zones d'activité où on a parfois 3-4 enseignes sur la même unité foncière, mais on a posé des densités qui vont permettre de dédensifier le nombre d'enseignes qu'on peut avoir. Donc voilà quelle a été la philosophie de travail, et ben, la collectivité derrière fera évidemment de son mieux pour que ça puisse être accepté, mais je n'irai pas dans un discours ni démagogique ni politique sur l'impact à moyen terme. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions sur ce RLPI ? Enfin, c'est simplement une présentation, cela dit, ce n'est pas ici qu'on vote, mais enfin, on peut quand même émettre un avis. Oui, il faut quand même émettre un avis. Quelles sont les éventuelles oppositions ? Toute l'opposition, oui, c'est ça ?
proposition. Des abstentions ? Il y a des abstentions et des oppositions. Je pense que Madame Demont et ses collègues ont tout vu. Parfait, merci. Ensuite, est-ce que vous avez des questions sur les subventions de fonctionnement au titre de l'urbanisme ? Adopté. Un ajustement sur la convention avec l'Agence nationale de renouvellement urbain pour le quartier du chemin vert. Bon, c'est pas majeur. Pas de questions. Adopté. Des déclassements sur le Père Sanson, bon, ça, au profit de la Canaise, bon, c'est dans le cadre des réaménagements actuels sur ce quartier. Adopté. Le déclassement de l'emprise chemin vert Ségueville, reconstitution d'un habitat à destination de personnes âgées notamment. Oui, Rudy L'Orphelin. Oui, monsieur le maire, je vous remercie après en avoir échangé avec les collègues de la minorité. On s'étonne que ces quatre délibérations, cinq délibérations même, sur le secteur chemin vers Ségueville, nous soient présentées à l'occasion d'opérations de cession, sauf erreur. On n'a jamais eu l'occasion d'avoir en conseil municipal, je dis bien sauf erreur, hein, une présentation de ce projet. Donc on sollicite la possibilité que ces délibérations soient retirées et qu'on puisse avoir préalablement une présentation du projet, parce que il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Donc voilà, ouais. En fait, c'est, vous nous avez demandé d'être constructif, on essaye de l'être. Là, je crois que voilà, il y a un petit sujet sur le fait de partager. Notamment avec les personnes qui sont au fond de la salle avec ces brillants calicots, ça pour partager, on a partagé. Ça fait à peu près 2 ans qu'on partage. On n'arrive pas aux mêmes conclusions, mais on partage. Mais vous n'avez pas partagé avec nous. Hein. Voilà. Non, mais c'est un sujet qui a été abordé en réunion publique à maintes reprises. Vous êtes évidemment cordialement invité. C'est un projet qui est porté. C'est un projet qui vise à faciliter. Enfin, les déclassements visent à faciliter un projet porté par effectivement Quand la mer habitat. Mais on, voilà, on, je vais laisser Nicolas en dire un mot. Bien, un mot peut-être sur le contexte très global de ce projet le long de la rue du Chemin Vert. C'était rappelé en préambule par le maire, je ne vais pas revenir dessus. L'état du PLU et des projets sur ce secteur rue du Chemin Vert, Square de Ségueville en 2014, c'était un terrain constructible, c'était des projets potentiellement de construction. S'en est suivi une décision de Quand la mer habitat d'abattre l'ensemble des logements qui sont situés le long de la rue du Chemin Vert S'en est suivi une décision de Quand la mer habitat d'abattre l'ensemble des logements, de démolir l'ensemble des logements, les deux rangées qui sont situés le long de la rue du Chemin Vert. Donc on a diligenté une étude urbaine, travaillé avec Quand la mer habitat, modifié le PLU pour que le parc de Ségueville soit préservé, pour que le parc de Ségueville s'étende le long de la rue du Chemin Vert, le long d'emprise. L'emprise de la première rangée de bâtiments qui est située le long de la rue du Chemin Vert, c'est-à-dire que la première rangée de bâtiments va faire l'objet d'une démolition et ne sera pas reconstruite. On va étendre ce parc de Ségueville jusqu'à l'arrivée sur le méridien, conservant aussi le patrimoine arboré qui est assez remarquable entre ces différentes barres d'immeubles. On a travaillé avec Quand la mer habitat de manière à ce qu'il réhabilite la deuxième rangée de bâtiments pour garder le témoignage de ce patrimoine. Pour en garder le témoignage, la réhabilitation doit se faire par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Donc c'est une réhabilitation par l'intérieur et qui va aller chercher de la superficie habitable au niveau des combles pour pouvoir avoir une vraie réhabilitation de ces bâtiments. Et par ailleurs, on a modifié le PLU pour avoir un espace vert garanti sur le square de Ségueville. Pour maintenir du patrimoine de Quand la mer habitat sur le quartier, eu égard au fait qu'on démolit une partie du patrimoine, il a été travaillé avec eux sur différentes localisations, sur différentes emprises qui font l'objet d'une délibération qu'on ne reportera pas ce soir et sur laquelle on délibérera, et je vais m'en expliquer après sur le pourquoi. A été travaillé avec Quand la mer habitat la possibilité que la ville cède du foncier pour construire ici cette maison individuelle, là, quelques logements collectifs. Au niveau de l'impasse Saint-Loué, une résidence senior
parc en la mer Habitat pour reloger aussi une population vieillissante dans un patrimoine accessible et à coût modéré. Donc ces différentes emprises sont vouées à être vendues à Caen la Mer Habitat pour qu'ils reconstituent du patrimoine et du patrimoine notamment adapté à une population qui vieillit sur le quartier, dont les logements ne sont plus aujourd'hui adaptés. Voilà sur le fond du sujet. Reconstitution de logements sociaux, préservation et extension d'un espace vert. On était loin en 2014. On en était très loin en 2014. On a un enjeu de calendrier également, puisque quand la mer Habitat, si on souhaite pouvoir reloger des personnes, a besoin de construire ces logements, d'où le déclassement et d'où la vente qui s'opérera ensuite après ce déclassement. Quand la mer Habitat a lancé une consultation sur ces différentes emprises, est en train de travailler les permis de construire, rendra public, quand les permis de construire seront prêts à être déposés, les visuels des projets qui sont encore en travail avec l'équipe d'architecture. Donc, quand la mer Habitat rendra très très prochainement, c'est une question de semaine, public ces différents projets d'un point de vue architectural. On a souhaité, selon chaque localisation, à ce qu'ils correspondent malgré tout à une assertion urbaine bien, bien réelle et qui s'intègre évidemment au cadre du quartier. On avait pris des engagements, notamment sur la parcelle 126, qui fait, je vois, l'objet d'une attention bien particulière, mais je ne le découvre pas ce soir, puisque nous en avions échangé avec les habitants, pour qu'il puisse y avoir de l'habitat individuel qui soit développé. On est sur 7, 8 maisons en habitat individuel, avec en plus grande proximité de la copropriété existante uniquement du rez-de-chaussée, et ensuite des maisons en R+1. Donc on est sur quelque chose qui est sur la parcelle en question, mais je ne vais pas rentrer sur toutes les parcelles et sur tous les projets, sur quelque chose qui est de la reconstitution de logement social et qui s'intègre plutôt bien dans le plan d'ensemble du quartier. Et l'enjeu de calendrier, c'est de permettre à Caen la Mer Habitat, qui va déposer dans les quelques semaines à venir des permis de construire, qu'on puisse faire la vente pour qu'ils démarrent au plus vite la construction, pour que ces logements, qui font par ailleurs l'objet d'une attente particulière d'une partie de la population du quartier, puissent être livrés au plus vite. Et voilà pourquoi je pense qu'il est bon qu'on ne retarde pas cette délibération, qu'on cède ce patrimoine à Caen la Mer Habitat et que ce projet avance au service du renouvellement urbain du quartier, au service de la mixité sociale qui existe et d'une attente forte de la part d'une partie de la population qui est vieillissante. Oui, alors, Madame Ovnanian, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Merci d'abord, Nicolas, pour ces précisions. Je n'ai pas tout entendu, j'en ai entendu une partie. Donc, si je parle et que tu as déjà répondu, j'en suis désolée. La première chose, c'est, donc, comme l'a dit Rudy, ça ne semble pas faire consensus, comme tu le dis toi-même. J'avais deux questions en particulier. La première, c'est là, il va y avoir donc la destruction d'un terrain de sport. Est-ce qu'il y a un autre terrain de sport ? Pas un terrain de sport, c'est un espace goudronné sur lequel, de temps à autre, des gens jouent. Place de la République n'est qu'un parking. Bon, ça, c'est un effet de langage. Oui, c'est factuel. J'aimerais bien c'est finir. C'est factuel. Non, mais donc, si vous voulez... mais allez voir sur place au lieu de nous poser... Il se trouve voilà. Donc que... C'est un terrain où des enfants font du sport. On peut appeler ça comme on veut. Non. Après, je vais juste finir. Je ne connais pas le lieu, donc je ne vais pas... C'est ça le problème. Mais j'aimerais bien finir néanmoins. Je suis honnête, je vous dis ce qu'il en est. Bon, allez, dépêchez-vous. Néanmoins, j'aimerais finir sans être interrompu. Donc, c'est un terrain sur lequel des enfants font du sport et... J'aimerais savoir, un, s'il y aura un autre terrain comme cela construit par la suite. Et l'autre chose, c'est, ça ne semble pas être la première fois qu'il y ait une forte contestation par rapport à une... qu'il n'y a pas consensus et qu'il n'y a pas vraiment une concertation qui aille vraiment dans les deux sens. J'aimerais savoir, on a une superbe association à Caen qui s'appelle Territoire Pionnier. Pourquoi, sur des cas comme ça, on ne fait pas appel à cette association pour définir des projets de quartier ? Donc voilà, c'était juste deux simples questions par rapport à
à ce dossier qui sont quand même... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, je vais laisser Nicolas dire un mot. Vas-y. On est sur l'espace qui est à côté de la maison de quartier rue de Sacqueville. À côté de la maison de quartier, on a un espace vert d'accompagnement qui est dans la parcelle de la maison de quartier, d'ailleurs, qui est relativement arborée et auquel on ne touche pas. On a ensuite une croûte d'enrobée vieillissante, qui est un ancien terrain de tennis, me semble-t-il, qui ne doit plus servir pour le tennis depuis bien longtemps. Et on a ensuite un city stade qui, lui, est plus récent. On souhaitait, le long de la rue de Noret d'ailleurs, implanter ces 7 habitations parallèlement à la copropriété qui est juste de l'autre côté de la rue de Noret, sachant qu'on est sur de l'habitat individuel, hein. On n'est pas sur de l'habitat collectif qui monte. Suite à des échanges avec les habitants qui nous faisaient constater que le City Stade, lui, était très utilisé, City Stade qu'on aurait décalé de 20 mètres, hein, qui aurait été maintenu sur le quartier, on a pris le parti d'écouter les demandes et les remarques des habitants, en faisant faire 90 degrés au programme d'habitation pour qu'il n'y soit plus parallèle, mais perpendiculaire à la rue de Noret, pour qu'on n'ait pas besoin de toucher ne serait-ce que d'un mètre au City Stade. Donc le City Stade est bien conservé et la croûte en enrobée, elle, effectivement, accueillera les 7 maisons individuelles. Je n'évoque que le City Stade. On aura par ailleurs de l'autre côté de la haie qui borde l'espace vert de la rue de Sacqueville, au sein de ce parc-là, un autre city stade, d'autres installations sportives qui ont vocation à rester. Et en parallèle de ce projet que nous menons avec Quand la mer habitat, la ville finalement pilote, coordonne les différents aménagements sur ce secteur. Et avec Bruno Coutenceau, la démocratie de proximité, Sophie et le conseil de quartier et les habitants, nous allons retravailler aussi aux différentes fonctionnalités du parc, étant donné qu'il est classé maintenant espace vert préservé, que nous n'entendons pas le construire. Il va être pérennisé. Nous souhaitons travailler en ce sens et donc redéfinir, s'il est besoin, les différentes fonctionnalités, l'aménagement de ce parc qui va se voir étendu vers le nord du quartier. On est donc dans reconstruction de logements avec Quand la mer habitat pour préserver une mixité à l'échelle globale du quartier tout en étendant un espace vert en conservant ses fonctionnalités et en proposant des logements qui vont être accessibles, moins énergivores, beaucoup plus confortables, beaucoup plus adaptés à une population vieillissante. On a par ailleurs fait avec le conseiller municipal délégué de quartier Bruno Coutenceau un peu de porte-à-porte à l'occasion du mi-mandat, en prenant soin de parler de ce projet-là. Je n'ai pas envie de mettre le bazar dans la copropriété, mais finalement, les avis relativement négatifs étaient peut-être minoritaires. Alors, c'était peut-être parce qu'on était nous-mêmes élus. Mais néanmoins, il y avait une prise de connaissance du dossier qui, effectivement, n'était pas forcément connue, et un regard aussi assez positif sur cette globalité-là, qui est quand même la préservation d'un espace vert et son extension. Non, mais si vous voulez, on n'est pas. Je vous propose que maintenant. Oui, Aurélien, je sais bien que dès qu'il y a une pancarte, effectivement, un certain nombre d'entre vous sont extrêmement motivés, puisque, effectivement, mais on ne va pas y passer la soirée, parce que c'est un sujet, effectivement, qu'on a abordé à l'occasion d'au moins 3 réunions publiques, sans parler des rendez-vous à la mairie, mais avec les riverains directement concernés. Mais Aurélien Guidi, et puis après, on vote. Et on a une réunion au mois d'avril sur cette question-là. Lors du dernier conseil municipal, je vous avais adressé mes félicitations pour un projet d'aménagement que vous aviez fait en pleine concertation et qui avait donné lieu à une présentation en conseil municipal et en amont aussi en commission. Ce projet, c'était l'aménagement de ce qui était avant la MJC de Venoy. Ici, dans le cadre de ce projet-là, aucune présentation ne nous est faite. Et vous nous répondez que les présentations ont lieu en réunion publique. Je me permets juste de vous rappeler que l'instance délibérante, c'est le conseil municipal. Oui, et qu'il est tout à fait normal que les conseillers municipaux que nous sommes demandions à avoir une pleine connaissance du projet que vous nous soumettez ici, de manière indirecte, par 4 délibérations différentes. Le problème qu'on a ce soir... Je vais terminer, si vous voulez bien. Le problème qu'on a ce soir, c'est qu'on ne voit pas de quoi vous nous parlez. Enfin, je vois très bien l'endroit où ça se situe, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais le devenir, on ne le visualise pas. Et en plus, dans vos explications, eh bien, on n'entend pas non plus parce que la sonorisation de cette salle fait défaut. Voilà. Et là, on a une vraie difficulté
pour pouvoir se prononcer sur ces délibérations-là. Et bon, je rejoins tout à fait. Si, je suis désolé. Si. Non, non, si, mais. Si. Écoute, mais je ne suis pas un opposant de principe à la création d'espaces verts. Non, mais attendez, on va clore le débat. Je suis jusqu'à preuve du contraire responsable de l'ordre du jour. On a répondu à vos questions. Le sujet est là. Il s'agit d'un déclassement pour permettre à Caen La Mer Habitat de recréer le logement social qui n'était plus permis dans les bâtiments qui, effectivement, ne répondent pas aux normes et qui auraient dû, pour répondre aux normes énergétiques, être emmaillotés de toute façon, puisque le sujet, je vois M. Launay, ça fait 10 fois qu'on s'explique là-dessus, aurait dû être, effectivement, comme ça a été fait rue de la Hache, bénéficier pour répondre aux normes énergétiques, être emmailloté d'une isolation extérieure et donc, par conséquent, aurait complètement fait disparaître le caractère pierre de Caen. Bon, donc, il y a un certain nombre, effectivement, d'immeubles qui vont disparaître. D'autres seront rénovés à notre demande pour qu'il reste une trace, entre guillemets, de ces premiers immeubles de la reconstruction. Par ailleurs, on a besoin d'avancer sur ce dossier parce que les gens qui vivent dans ces immeubles ont besoin d'être logés dans le quartier majoritairement. Donc, on va voter. Et ceux qui veulent s'abstenir ou voter contre vont s'abstenir ou voter contre et basta. Voilà, parce que, si vous voulez... Donc, les 4 délibérations, 15, 16, 17 et 18. Et 10, faut les faire voter une par une ? Bon. Alors, sur la délibération numéro 15, la parcelle IK numéro 114, qui est contre ? Abstention. Très bien. La IK 126, qui est contre ? Abstention. IK 128, des contre ? Abstention. Même vote, j'imagine ? Cohérence. L'impasse Saint-Loué, des oppositions, des abstentions. C'est le même sujet, hein. Faudrait faire pareil. Hein. L'impasse QCI, pareil. Voilà. Alors ensuite, on a un sujet technique sur un avenant pour les maîtrises d'ouvrage des frais d'études sur le projet tramway. Oui, sur le Coutour. Je n'ai pas voulu interrompre le projet sur le territoire Secqueville, mais vous êtes passé très vite sur les 11, 12, 13. Et je voulais vous poser une question sur, en rapport avec la convention NPRU du quartier du Chemin Vert. Et je voulais avoir des précisions et des éclaircissements, et j'espère des clarifications, sur le devenir de la Halle Molière. Je sais que... certains élus ont été saisis par l'intermédiaire de Mme Mespoulès et que des réponses ont été apportées. Mais aujourd'hui se pose la question du devenir du site Jacquard et de la présence du commerce sur le site Jacquard en cohérence avec ce qui se passe, ce qui se vit, ce qui se travaille aujourd'hui sur la Halle Molière. Donc est-ce que M. Joyot ou Mme Simonet peuvent nous en dire un petit peu plus sur les projets commerciaux qui peuvent se développer dans le cadre du NPNRU sur le quartier du Chemin Vert et en particulier sur le site Jacquard, et également confirmer les propos rassurants qui ont été donnés à propos de la Halle Molière. Merci. Si vous, dans la veine de ce que vous aviez fait à propos de la Halle Gourmande, si vous allez expliquer aux commerçants de la Halle Molière qu'on va leur faire du commerce à côté pour les tuer, c'est sûr que ça peut alimenter la polémique. Ça c'est clair, mais en revanche notre préoccupation c'est au contraire globalement de trouver des solutions pour que le commerce qui a certaines difficultés objectivement dans la Halle Molière pour toutes sortes de raisons, notamment liées à la configuration des lieux, puisse effectivement trouver des réponses. C'est ça notre préoccupation et on n'a pas de ce point de vue là, on n'a pas de réponse toute faite, mais il y a certaines pistes qui sont évoquées, je vais laisser Nicolas évidemment compléter. Un complément, mais qui annonce finalement la réflexion que nous avons sur l'Halle Molière. Alors Sophie complétera si besoin ce que je vais pouvoir évoquer. Il était prévu dans le projet de renouvellement urbain du Chemin Vert des travaux en 3 phases sur la phase Molière. La première a été menée, c'était de lui apporter une meilleure visibilité depuis l'extérieur et une image peut-être un petit peu moins désuète de l'extérieur de ce que c'était auparavant. Quand la Mer Habitat a investi, ce pari est réussi et cette première phase de travaux est derrière nous. Il était prévu dans une deuxième phase qu'en fonction de besoins qui pourraient être observés, il y a une restructuration intérieure, mais assez légère,
du centre commercial avec de la restructuration pour avoir une typologie de cases différente. Donc cette phase-là n'a pas encore été enclenchée. Puis il était prévu dans une troisième phase, ce qui avait guidé aussi notre schéma directeur sur le site Jacquard, l'ouverture du centre commercial Molière sur l'intérieur du site Jacquard, d'avoir une entrée qui donne directement depuis Jacquard vers le centre commercial, de telle sorte qu'il soit traversant finalement, qu'on puisse aller de l'intérieur du site Jacquard vers la rue du Chemin Vert. Il se trouve que sur cette troisième opération, les travaux sont très très lourds, très importants pour Caen La Mer Habitat, avec quand même une limite en matière de répercussions sur les loyers des commerces. Donc on a élargi finalement la réflexion en se posant la question de la restructuration de ce centre commercial. Donc on doit réfléchir évidemment au maintien de cette offre, hein, très clairement, du centre commercial. Il n'est absolument pas question, de faire une croix sur cette offre commerciale qui est extrêmement importante pour le quartier et qui se voit fréquentée évidemment par les habitants du quartier, mais aussi par des personnes qui transitent par la rue du Chemin Vert et qui verra le tramway passer devant lui à l'horizon 2028 avec une visibilité encore accrue. Donc en fait, on va remettre sur le métier cette réflexion qui avait amené ces trois étapes sur le centre commercial, ces trois étapes de travaux, pour la remettre à jour et se reposer la question de la forme et des travaux à mener sur ce centre commercial à plus long terme, ce qui pourra aussi nous permettre de revisiter les réflexions qu'on avait sur le site Jacquard. En termes de programmation, on n'a pas bougé, hein, sur la programmation qui devait être celle de la reconversion du site Jacquard. On a besoin d'accueillir une offre de logement, notamment pour une population senior, qui sera à proximité des services publics et des commerces, et potentiellement à terme aussi la relocalisation d'un équipement qui pourra accueillir bibliothèque et pôle de vie dans un équipement qui sera neuf et beaucoup plus fonctionnel que ne le sont les équipements actuels. Tout ça se fait à long terme et doit être vu dans un ensemble, travaux centre commercial et site Jacquard. Et donc on rouvre avec Caen La Mer Habitat finalement une réflexion sur cet ensemble-là, réflexion dont on ne manquera pas de travailler avec le Conseil citoyen qui est très présent évidemment sur le projet de renouvellement urbain du Chemin Vert et le moment venu en réunion publique pour élargir encore davantage le public à la réflexion et aux informations. Bon, sur la délibération, merci. Sur la délibération numéro 20, donc l'avenant pour le transfert de maîtrise d'ouvrage, pas de questions, merci. Ensuite, on a une présentation sur la requalification de la route de la rue de la Délivrande. Donc, Ludwig. Oui, vous allez faire ça en duo, avec notamment, effectivement, pour l'aménagement cyclable avec Nicolas Escache. Donc ce PowerPoint a été déjà présenté évidemment en réunion publique il y a quelques mois, en commission municipale préalablement à ce conseil municipal. Et donc nous vous le représentons à nouveau. Donc nous parlons de la requalification de la rue de la Délivrande, plus précisément de la pérennisation des coronapistes et du raménagement complet de cette entrée de ville, même si on passe par ailleurs avant, mais elle avait son importance. Donc les réunions ont été réalisées, mai 2023, octobre 2023, exposition avec les plans au pôle de vie et une réunion publique le 13 octobre 2023. La maîtrise d'ouvrage est évidemment Caen La Mer et nous sommes fait aider par le bureau d'études techniques Servicad et l'atelier Stratenstrat. Les enjeux: pérenniser et sécuriser les pistes cyclables provisoires de la rue de la Délivrande et la rue d'Édimbourg, modérer les vitesses sur cet axe structurant, sécuriser les croisements des véhicules aux intersections, sécuriser les traversées piétonnes, fluidifier le trafic, améliorer le cadre de vie en limitant les nuisances sonores et sécuriser les cheminements piétons sur la rue du Duc Richard. C'est relativement long, vous voyez, donc 800 mètres et 1 km, même si on inclut l'avenue d'Édimbourg, avec deux principes, un principe jusqu'à l'avenue Bruxelles et un principe à partir de l'avenue Bruxelles. Jusqu'à l'avenue de Bruxelles, on a donc une bidirectionnelle d'un côté qui fait la jonction avec le périphérique cyclable qui va être construit de la Vallée des Jardins jusqu'à la Pierre Osée. Et puis on a une monodirectionnelle. Et on poursuit ensuite avec un principe de monodirectionnelle
alors qui est différente en sens descendant et en sens montant, puisqu'on a une piste unidirectionnelle sur chaussée dans le sens descendant et une piste unidirectionnelle sur trottoir dans le sens montant, pour respecter un peu les niveaux de force entre voitures et cyclistes. On requalifie bien sûr l'ensemble de la rue avec des séparations entre les modes, puisqu'on a à la fois un enrobé rouge qui permet de séparer notamment les modes cyclables et les modes piétons. On requalifie évidemment les modes piétons. On en profite pour végétaliser une grande partie de la rue et d'aménager les placettes. On va le voir là sur les slides suivantes. Si on peut passer peut-être les quelques slides de principes d'aménagement pour montrer ces principes. On va se bloquer là sur la slide. Voilà. Donc là, on a effectivement jusqu'à l'avenue de Bruxelles la partie bidirectionnelle d'un côté et puis monodirectionnelle de l'autre. On voit également le réaménagement de la placette sur le lycée. On a ensuite le principe, si on passe la suite, on a un principe donc là on voit l'aménagement du carrefour, donc classique hein, en carrefour hollandais qui permet la porosité entre les différentes directions. Ensuite les monodirectionnels qu'on va poursuivre, donc on voit ici sur la suite là on voit l'aménagement de la placette ici du lycée. Ensuite on poursuit avec les deux monodirectionnels. Voilà, on voit ici le principe d'aménagement avec le sens montant, le sens descendant, l'alignement végétal et d'arbres qui vient ici complètement recomposer cette rue qui était quand même très minérale hein, et qui est une entrée de ville, il faut le rappeler. Donc on est ici sur une requalification d'entrée de ville de façade à façade qui suit quelque part le travail sur les réseaux. Donc on a bénéficié ici du travail sur les réseaux pour requalifier complètement cette entrée de ville. Et si on poursuit ici en descendant ensuite, on a la jonction avec Édimbourg, l'avenue d'Édimbourg, qu'on va voir par la suite. Je ne sais pas si on peut passer la diapo suivante. On devrait avoir une photo normalement, et puis ensuite le principe sur l'avenue d'Édimbourg. Le port, voilà. Donc là, on a avant l'aménagement. Si on peut passer ensuite la diapo suivante. Voilà, vous voyez ici après. Donc vous voyez bien les principes ici qui ont été amenés, c'est-à-dire la séparation avec les enrobés rouges. Vous voyez ici la bande végétale et la bande arborée, qui vient ici apporter aussi à la fois de la fraîcheur et puis requalifier aussi le paysage de cette rue. Et puis les continuités piétonnes qui ont été bien sûr préservées avec une place importante pour les piétons. Et puis un rétrécissement quand même de la voie qui pacifie... Enfin, Ludwig l'a rappelé, hein, il y a un principe à la fois cyclable et de pacification également de la voie ici. Voilà, et on voit donc la jonction ici avec l'avenue d'Édimbourg. Donc on voit ici le carrefour sur plateau, avec la mise en place d'un plateau sur l'ensemble du carrefour. La priorité donnée au cycle. Vous voyez ici également l'aménagement de la placette. Et puis le principe sur Édimbourg avec à la fois le contresens cyclable qui est pérennisé et puis la vélorue pour qu'on ait les deux sens de circulation cyclable. Et puis on va voir normalement à la fin la traversée de l'avenue d'Édimbourg qui permet la connexion bien sûr avec le campus 1 de l'université. On devrait avoir je pense quelques éléments sur les travaux avec notamment... Ludwig, tu peux peut-être dire quelques mots du renouvellement de réseau. Oui, donc c'est un gros chantier puisqu'on ne se contente pas d'aménager le dessus comme à chaque fois. On renouvelle évidemment les réseaux d'eau potable vétuste, les branchements d'eau usée et on en profite évidemment pour passer aussi le réseau de chaleur. Voilà, et on devrait avoir quelques... Voilà, on voit les avant-après... Et puis quelques éléments de phasage. Donc on est sur 2025 pour les travaux, donc avec des phasages, hein, à la fois sur les retraits de revêtements de chaussée qui contiennent de l'amiante, ensuite les travaux de voirie sur la rive ouest, puis les travaux de voirie sur la rive est, donc pour des travaux qui vont être menés en 25 pour cette avenue de la Délivrande. Peut-être préciser que sur les travaux de désamiantage, c'est un chantier... très important et qui pour le coup vaudra peut-être une petite balade de nos collègues de l'opposition sur place. Et vous voyez qu'on est sur un montant conséquent, hein, puisqu'on est sur un montant total de l'opération de 3,5 millions, qui comprend à la fois donc, ces travaux de réfection de réseau,
ce renouvellement de l'éclairage public, ces travaux aussi de façade à façade sur l'aspect cyclable, de végétalisation également, et donc qui est un montant quand même assez important pour une opération, encore une fois, d'entrée de ville, qui est donc d'importance. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, ou si ça amène des... Oui, on a vu la question en commission municipale, sur la slide que vous voyez là. Ce n'est pas montant total de l'opération 3 500 000, dont c'est tout s'additionne. Hein. Ah oui, c'est pas en dessous, ce n'est pas le détail de la somme du montant principal. Hein. C'est une addition qu'il faut faire pour avoir le montant final, autour de 7 millions. Oui, il y a une question, je crois, de Francis Joly, et puis de... Oui, Francis Joly. Oui, merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je me félicite de voir que dans l'ordre d'une de mes dernières interventions, j'avais demandé que du revêtement rouge soit le symbole de toutes les pistes cyclables de la ville de Caen, contrairement à ce qui a été fait en bas de la rue d'Auge. Donc je suis content de voir que l'opposition peut être aussi entendue dans ses remarques. Merci. Sinon, je voudrais revenir sur le plan. Est-ce que Ludwig, tu peux nous remontrer le plan où on voit le schéma avec les arbres, les pistes cyclables, le plan coupe, s'il te plaît. Le plan coupe ou la photo? Le plan coupe, ce sera beaucoup plus parlant. Non, celui où on a l'axe de la délivrande. Page 7. Non, encore. Celui-là. Non, c'était pas celui-là, non. Après, avancer encore un peu, il faut descendre, c'est vraiment celui dans la descente. Il y a les deux monos, celui qui monte la descente. Page 11. Descendez encore. Celui-là. Voilà, hop. Ce qui est passé. Celui-là est pas mal, celui-là, enfin oui. Et en fait, je pense que là, on est en train, alors, vous savez que je suis un peu monomaniaque du vélo, mais j'aimerais quand même faire un petit zoom sur les piétons, puisque là, on est en train de créer les conflits d'usage de demain entre les piétons et les cyclistes. Alors qu'il suffirait tout bêtement d'inverser la végétalisation, qui est un bon point. C'est très très bien de végétaliser cette rue qui le demande. En plus, on va avoir un effet de ralentissement de l'eau, on va avoir beaucoup d'effets bénéfiques. Mais en inversant la partie végétalisation et la piste cyclable, on aurait un effet bénéfique pour le cycliste. Et on ne va pas recréer ce qui a été fait, la corona-piste de la KV, qui a été faite avec 4 baïonnettes. Je me permets de te couper pour être bien clair. En fait, tu voudrais qu'on mette le cycliste entre l'arbre et le bus. Exactement. D'accord. Exactement. Comme tu as de l'autre côté, en fait. Hein, entre la voiture... Il faut bien que tu regardes sur le dessin, en fait. Si je dis ça, Ludwig, on en a parlé en commission, hein, parce que j'étais très attentif à cette présentation. D'ailleurs, merci de l'avoir faite. Le souci, c'est que dans une descente de 800 mètres, on va faire arrêter 6 fois le vélo. On fait 6 stop and go. Dans la montée, on en fait 7. La voiture, elle, ne va pas s'arrêter une seule fois. Donc là, on a quand même un statut d'usage, de mode de déplacement, où on voit une vraie différence. Le vélo n'est pas considéré comme un outil de déplacement. Le vélo est là, on veut le faire bien, mais là, on constate... qu'on va favoriser une fois le feu de la voiture et pas le fameux vélo taffeur. Le vélo en sécurité du dimanche, très bien. Le vélo du quotidien pour aller vite, pour se rendre d'un point à un autre, non. Et une nouvelle fois, vous faites l'erreur de la KV. Moi, je vous invite à aller dans... À chaque fois, on cite la Hollande. Mais non, allez tout bêtement à Rouen. Rouen, c'est pas très loin. Hein. C'est notre concurrente régionale. Allez à Rouen. Toutes les infrastructures qu'ils font en ce moment, notamment autour de la prison, le boulevard de l'Europe, il n'y a pas de stop and go. Hein. Non, le vélo, il y va, il a le même positionnement que la voiture. Alors, c'est pas du tout ce que vous nous proposez, Francis, là. Et là, vous créez un conflit à venir entre les piétons et les vélos. De la même façon qu'en bas de la rue d'Auge. En bas de la rue d'Auge, les piétons et les cyclistes ne savent pas vraiment où se positionner. Donc on crée les conflits de demain, Francis, en investissant 4 millions d'euros quand même, juste pour la piste cyclable, je mets de côté l'infrastructure sur les réseaux. On t'apporte. Ouais, on peut peut-être globaliser les questions, puis je te réponds juste après. Je vais poser ma question. Ah pardon, excuse-moi. Alors, cela dit, vous avez chacun votre avis, hein, mais ce que je peux dire simplement, c'est que si nos concitoyens ne se mettent pas à la place qui leur est dévolue, on sera toujours en difficulté. C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit à sa place, c'est tout. Et ça suppose simplement que chacun prenne conscience du fait qu'il n'est pas tout seul dans la ville, même s'il est pressé, même s'il veut aller vite, même s'il est en vélo, et qu'il y a aussi des piétons, il y a aussi éventuellement des voitures, que... voilà, il y a les autres, quoi.
et qu'on n'est pas tout seul au milieu du monde. Quoi. On peut pas organiser la ville en fonction des desiderata et des impératifs de chacun. Il faut que chacun accepte qu'il n'est pas seul au monde. Parce que là, on peut avoir des débats sans fin. Hein, si vous voulez. Enfin, comme on le constate parfois, si les automobilistes ne s'arrêtent pas au feu rouge, si les vélos ne restent pas sur la piste qu'il aurait dévolu, mais roulent allègrement sur les trottoirs sous prétexte que ça va gagner du temps, on n'y arrivera pas. Hein. Si les piétons traversent n'importe où, c'est pareil. Voilà. Et c'est malheureusement ce qu'on constate un peu chaque jour. C'est-à-dire qu'à vouloir s'évertuer en permanence, à prendre en compte les desiderata de chacun, on en perd un peu, me semble-t-il, l'impératif de vie en commun. Voilà, maintenant que j'ai poussé mon cul de gueule, je vous laisse la parole. Oui, madame Ovnagnan. Juste pour dire que si les piétons suivaient ce qu'on leur dirait de faire, ils marcheraient en file indienne en famille et ils contourneraient les différents obstacles alors qu'ils ont toute la voie souvent pour eux. Donc il y a un moment où il faut quand même qu'on ait un peu de bon sens quand on marche. Merci pour cette contribution. Bon, Nicolas, oui. Allez, pour clore le débat, parce qu'il faut quand même qu'on fasse les travaux. Hein. Heureusement qu'on a... Ah, madame Anne, je vous en prie, je n'avais pas vu, pardon. Je crois que vous m'avez oublié. En fait, je ne sais plus si j'ai posé la question en commission à monsieur Guillaume. Moi, je ne suis pas une monomaniaque du vélo, hein, loin s'en faut. Donc, ma question est la suivante. C'est un aménagement extrêmement important, très coûteux. Bravo hein, de faire ça, mais quel sera l'impact sur le trafic automobile? Parce que quand on voit l'aménagement, on peut penser qu'il y aura probablement davantage de vélos sur cette section routière et une diminution du trafic. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Alors, est-ce que je rêve ou non? En tout cas, il y aura obligatoirement, dans un premier temps, un ralentissement des voitures. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la place qu'a la voiture, il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, il y a deux files. Il y aura toujours les tours à gauche, ils n'existent déjà plus. Ouais. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à aujourd'hui. Par contre, oui, en effet, on espère qu'il y aura quand même moins de trafic de transit. Enfin, on a déjà parlé de cette statistique où... les deux tiers des gens qui traversent le centre-ville le soir n'ont rien à y faire. Donc oui, on espère que ce paysagement, cette meilleure répartition de l'espace fera comprendre aux automobilistes qui se servent de cette avenue comme d'un périphérique que ce n'est pas un périphérique, mais une entrée de ville où un véhicule en transit n'a rien à faire. Mais il n'y a pas vraiment de... La place de l'automobile est réduite mais sans être amputé, on va dire. Ouais. La largeur de voirie est moins importante, ce qui fera que la vitesse sera moins importante, mais au niveau gabarit, il n'y a pas grand changement par rapport à aujourd'hui. Voilà. Pour te répondre, Francis, bon, tu as remarqué que sur le plan, effectivement, il y avait un léger dénivellation entre le piéton et le cycliste, ce qui permet là aussi une sécurisation de l'un et de l'autre. Sur la question de la végétation, il y a évidemment nécessité, quand on végétalise, d'avoir aussi un espace souterrain qui permet aux racines de se développer. Et donc, on ne met pas forcément la végétation n'importe où, on la met aussi, et sur le plan, c'est indiqué la fosse d'arbres, dans des endroits où l'arbre, quand même, peut avoir une santé importante. Donc, dans le choix qui est fait de la division, à la fois, il y a la nécessité de clarifier le positionnement, effectivement, des cyclistes et des piétons. C'est fait ici doublement, par l'enrobé rouge et par le léger dénivelé. Et puis, il y a la nécessité aussi d'aller chercher la végétalisation des arbres dans les espaces qui le permettent. En l'occurrence, sous la piste cyclable, là, vous avez une conduite de gaz. Exactement. Ouais. Et puis, on est quand même arrivé à un moment où, vous le voyez, la petite flèche rouge l'indique, on déplace les réseaux pour planter des arbres. Ouais. Parce que là, on a toute la signalisation tricolore qui passe normalement sous les arbres et tout va être amené sur la voirie. Après, la question, c'est aussi celle de la priorisation. On l'a vu sur le plan, il y a une priorisation aussi cycliste sur une bonne partie de l'aménagement, et ça, c'est aussi important. Ce que, Francis, tu appelles les stop and go, en fait, c'est les préconisations du CEREMA. On en a déjà discuté en commission, c'est-à-dire que ce que préconise le CEREMA sur les questions de co-visibilité,
c'est notamment, par exemple, la question des légers décalages. On est en train de regarder sur les intersections ce qu'on peut proposer aussi en complément, par exemple, les logiques de plateau ou les logiques de franchissement de niveau de chaussée. Mais c'est les préconisations du CEREMA sur la co-visibilité entre le cycliste et la voiture, notamment pour éviter les angles morts. Après, on a eu le débat en commission aussi sur le dialogue entre mise en selle et efficacité cyclable. Tu disais, Francis, moi je suis un habitué, oui, mais il y a aussi ceux qui commencent le vélo. Et notre optique, c'est aussi de mettre en selle et de mettre en selle des familles et des enfants. Nicolas le disait beaucoup sur la mandature précédente, il y a une vraie ambition quand on est avec des enfants de bas âge d'être en sécurité, et c'est vrai qu'on ne fait pas les mêmes aménagements quand on vise le vélo taffeur déjà habitué et quand on veut ouvrir aussi les aménagements à ceux qu'on va mettre en selle. Et notre optique, parce qu'on est encore dans une perspective de transition, c'est dans des axes comme ça qui sont des axes importants, d'aller sur plutôt de la mise en selle, ce qui n'est pas compatible d'ailleurs dans le futur avec le fait de pouvoir aller sur les aménagements qui vont plutôt se diriger vers les cyclistes avertis, plutôt que de partir d'emblée vers des aménagements qui seraient insécurisants pour des familles. Voilà l'optique qu'on a choisie et qui sont qualifiées, ben c'est pour les deux bien sûr, mais dans les choix techniques qu'on va faire dans le détail, effectivement on va pousser le curseur un peu plus sur la mise en selle que sur les habitués. Voilà. On connaît tous des gens qui se mettraient volontiers au vélo, mais qui en fait ne trouvent pas les infrastructures sécurisantes. Je propose que vous fassiez une commission spécialisée au sein de la commission spécialisée. Voilà, bon, ben, voilà, donc c'est bon. Julie, parce que si on rentre dans le détail, mètre par mètre de chacune des pistes cyclables qui sont construites dans cette ville. Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'était juste pour préciser par rapport à ton observation et ta suggestion, Francis, comme on l'a déjà évoqué en commission, en fait, si on remplaçait sur le côté gauche de l'image, qui vient de disparaître, on voit bien qu'il y a un décaissé entre le piéton qui est sur le trottoir et la piste cyclable qui est à hauteur de voirie. Donc à cet endroit-là, précisément, il n'y a pas, enfin, le conflit piéton-vélo, il est réduit. Et si l'espace vert, enfin, les arbres étaient entre les deux, ce serait peut-être un peu plus confortable pour le piéton parce qu'il aurait l'espace vert à côté plutôt que la piste cyclable. Par contre, ce serait beaucoup moins confortable pour le cycliste qui serait en proximité immédiate de la circulation automobile. Et de l'autre côté, effectivement, ils sont au même niveau, mais la réflexion qu'on s'est faite en lien avec les services, c'était de se dire, là, on est dans la montée. Et si on est sur une piste cyclable à hauteur de chaussée, ça veut dire que, par exemple, un vélo électrique coincé derrière un vélo musculaire, même d'un grand sportif, serait coincé pendant sa longue sur toute la montée. Et d'avoir un trottoir large comme ça avec la piste cyclable en bout permet, effectivement, s'il n'y a pas de piéton, de doubler le cycliste et de continuer la montée. Voilà, c'était juste pour clarifier, expliquer un peu pourquoi on avait pensé cet aménagement de cette façon. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera mieux que ça n'était avant. Donc, après ces observations, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Abstentions, combien d'abstentions ? Ah, là, décidément. S'abstenir. Abstenez-vous. Celle-là, c'est incroyable. Non, mais c'est pour ça qu'à un moment, Quand les postures remplacent... Non, mais faut arrêter les conneries, quoi, en clair. Bon, alors, la rue du Marais, ensuite. L'effacement des réseaux, rue du Marais, l'éclairage, etc. On est tous d'accord pour rénover la rue du Marais ? Non, il y a des abstentions ? Attention, je continue la suggestion que j'ai faite lors de la commission, c'est de profiter de ce travaux d'effacement des réseaux d'éclairage public rue du Marais pour que le cycliste et le piéton d'ailleurs aussi, pour que la circulation douce ait une autre opportunité qu'éviter la route de la mort, qui doit être la route de Deauville, je crois, mais celle que n'utilisent absolument pas les cyclistes, qui permet d'éviter la demi-lune. Et de la gare, on peut aller au bas de Mondeville assez facilement pendant cette rue du Marais. Il faut juste travailler sur le débouché. Oui, on débouché, a parlé en commission. Julie, je crois que tu es particulièrement concerné sur le... Il y a un petit sujet de débouché, mais... cette suggestion. Alors, cela dit, il y a quand même un truc qui s'appelle la rue d'Auge, qui est complètement réformée,
rénovée exprès pour y passer en vélo quand même. Hein. Alors je t'invite quand même à utiliser la route de Deauville, même la rue de. Ah bah après, plus la, loin, meilleure, oui. La plus belle la rue d'Auge possible. Plus loin, ça va s'arranger. Sachant que le rond-point d'Admilune ne sera quand même pas traité. Oui, tout mais suite. De l'autre côté, côté. Alors je crois que la ville de Mondeville a un projet sur la. Oui, sur le débouche, sur la sur le poursuite, sur. Comment elle s'appelle? C'est pas la rue Émile, non, c'est pas la rue Émile Zola, c'est la rue Pasteur, non? L'avenue de Rouen. Mais il y a aussi la rue Pasteur, je crois qu'ils ont un projet. Il me semble qu'il y a un projet rue Pasteur aussi. Effectivement, il faut assurer la continuité. Quant à la rue du Marais, effectivement, la vocation est l'équivalent d'une zone 30, hein, concrètement, en termes de rue. Oui, madame Anne. Oui, mais j'ai pas très bien entendu, monsieur le maire, là, s'il y avait un projet pour la rue du Marais, en fait, parce que. Et le projet de la rue du Marais, c'est de rénover la rue, tout simplement, en profitant pour faire l'effacement des réseaux. D'accord. Voilà. L'effacement des réseaux électriques, hein, j'entends. Parce qu'on va garder les réseaux souterrains, bien sûr, on ne va pas les effacer. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Ensuite, la mise en place, enfin, la sollicitation, pardon, du fonds, enfin, du fonds de prévention des risques naturels majeurs à la suite de la découverte sous une maison effectivement particulière d'une poche, enfin d'une cavité souterraine qui nous amène effectivement à reloger les personnes en question à titre temporaire. Pas de questions, pas d'opposition, merci. Ah si, madame Ovnagnan, excusez-moi, mais je suis désolé, vous entendez mal, moi je vois mal. Alors donc, Je ne sais pas du tout si vous avez commencé la 23 ou pas. Oui, oui, j'ai non seulement commencé, mais j'étais en train de vous faire voter. Allez-y. Ok. Non, mais vous aviez quelque chose à... Vous vouliez poser une question? Oui, non, sur la 23, c'est juste ce qui... Vous dites la découverte d'une ancienne carrière souterraine à Caen, et étant quand même du quartier, une chose qui, nous, qui peut nous surprendre, c'est que ça soit tout juste découvert. Tout le quartier est quand même à problème, et donc ça vaut le coup quand même de faire des études sur le quartier dans sa totalité. Alors la ville de Caen depuis très longtemps est la seule ville, l'une des rares villes de France avec Paris notamment, à posséder, à avoir en son sein un service des carrières. Et donc cet endroit précisément n'était pas répertorié parmi ceux qui sont situés au-dessus d'une carrière souterraine, alors qu'il y a plein d'autres endroits où tout est cartographié, parce qu'on n'a pas toujours une connaissance totalement exhaustive, mais ça a été découvert en fait au moment du passage d'une tranchée pour le réseau de chaleur, et c'est l'appel en creusant puisqu'il faut creuser assez profondément pour passer le tuyau du réseau de chaleur, a effectivement découvert cette cavité qui est au ras de la maison en question. Et c'est là, c'est à la suite de cet incident, en quelque sorte, que des études plus précises ont été effectuées, bien sûr en lien avec la DDTM, avec les services de l'État, pour aboutir effectivement à cette sollicitation de ce qu'on appelle communément le fonds Barnier. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Merci. Bon, les accords avec la région pour le bon fonctionnement du lycée Camille Claudel, pas d'opposition, merci. La rue de l'Étrier, un déclassement. Alors là, c'est pas de question. Adopté. L'évolution, la vie en fait du mini-golf et du restaurant de la colline aux oiseaux. On en parlait tout à l'heure. Pas d'opposition. Adopté. Il vous est proposé de dénommer l'esplanade de la colline aux oiseaux du nom de son créateur. Bon, personne n'y verra d'opposition, j'imagine. Oui, Francis Joly. Le nom choisi correspond à la réalité de celui qui a permis de transformer une décharge en un parc, quand même, qui est un des atouts de la ville de Caen et qui permettra peut-être d'ailleurs d'accueillir une future collection juste à côté. Donc tant mieux. Non, c'est juste. Alors, dans une prochaine occasion, on suggère le nom de Josette Bénard pour un futur parc ou une future esplanade. Nous y pensons, mais pour un lieu sans rien dévoiler, qui aurait plutôt. Qu'un projet porté par la communauté urbaine, parce qu'il y a évidemment un lien très fort avec sa vie d'universitaire. Voilà. Nous y pensons, à Josette Bénard. Alors, l'esplanade de la colline aux oiseaux, pas d'opposition. De
Oui. Alors moi, je pensais à Josette Travers, pardon. Oui, alors pour le CU, c'est Josette Travers. Alors oui, Josette Bénard, oui, effectivement, ça fait partie des gens qu'on pourrait effectivement... Elle a longtemps été présidente du CREPAN, effectivement, et elle est sur la liste, effectivement des femmes dont il conviendrait d'honorer la mémoire, effectivement, et l'action qu'elles ont eue pour la ville. Un certain nombre de subventions au titre de la transition, de l'appel à projet quartier en transition. Il y a une question de Madame Anne, allez-y. Je me souviens plus si j'avais... Je l'avais indiqué en commission, mais j'ai un avis quand même un peu partagé, parce que je m'étonne de la modestie de l'enveloppe sur un an concernant des problématiques de transition, quand même un enjeu qui me paraît vraiment important. Alors, 30 000 euros par an dispersés sur je ne sais plus combien de dossiers, je crois qu'il y en a une dizaine, alors qu'il y a 19 candidats. Voilà, je trouve que c'est très modeste, c'est mon avis. Hein. Merci. Ça se veut, l'accompagnement de projets de proximité, ça n'a rien à voir avec les grands enjeux de transition, c'est un accompagnement. Et Julie, je t'en prie. Oui, effectivement, c'est un des aspects de l'engagement de la collectivité en faveur de la transition. Ça fait référence à l'appel à projet... Association en transition, dans la continuité de notre feuille de route qu'on a adoptée l'année dernière, c'est un budget qui est équivalent à celui qui était voté pour l'accompagnement des associations, mais pas le budget qui était alloué, parce qu'on avait moins de demandes qu'on avait de budget. Et donc, en fait, la satisfaction pour nous, c'est plutôt que cet appel à projet a permis de, entre guillemets, consommer l'enveloppe. Ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Effectivement, il y a eu 18 candidatures. On a fait un jury avec Alexandra, Nicolas et Sophie, que je remercie encore pour le temps passé à mes côtés à étudier les propositions qui nous étaient faites. On avait de fait le choix entre accompagner l'ensemble des projets, parce que c'est dans tous les cas ou presque des projets intéressants, mais avec des sommes modestes, ou bien de se concentrer et de permettre la concrétisation et un accompagnement certain des associations. Et donc on est à chaque fois entre 3 000 et 4 000 euros. Alors sauf quand l'association en fait était déjà à un taux de subvention publique supérieur à 80%. Mais sinon, c'est quand même des sommes qui sont pas mineures pour une association, et qui par ailleurs sont évidemment sous réserve du vote du budget l'année prochaine, mais qu'on passera en conseil municipal. Comme on le fait tous les ans, il y a une réserve, mais en tout cas, c'est un accompagnement sur 2 ans, et ça aussi, c'est nouveau. L'idée, c'était justement de permettre aux associations d'avoir de la visibilité sur l'organisation et la conduite de leurs projets. Oui, madame, c'est certain que ça n'aura pas le même impact, mais c'est effectivement que le réseau de chaleur ou le tramway. Hein, ça... Mais ça participe à un engagement collectif. Madame Ovdanian. Oui, en septembre, nous avions vraiment salué cette proposition justement de subvention. Néanmoins, j'ai trouvé que en termes de communication à toutes les associations sur l'existence de cette subvention, ça avait peut-être été un peu court sur 2023, et j'espère qu'en 2024, la communication sera vraiment ouverte à toutes les associations sur l'existence de cette subvention. Voilà. Oui, alors, Julie, à nouveau, je ne pense pas qu'il y ait de volonté de... Non, on est passé par les canaux habituels, et en particulier par le 1901, qui nous a beaucoup aidé à accompagner l'ensemble des associations qui gravitent autour de la Maison des Associations. Et puis on l'a étendu au réseau des acteurs qu'on avait recensés dans le cadre de Caen Quartier en Transition. Et en fait, on a quand même touché des associations au-delà du périmètre transition écologique, ce qui était notre souhait, d'aller vers des associations comme le Tunnel, par exemple,
qui ne sont pas des associations avec lesquelles la transition, en tout cas la direction de la transition écologique a l'habitude de travailler et qui pourtant ont pu se positionner sur cet appel à projet. Bon, on entérine ces subventions. Pour qu'elles soient versées, il faut que nous votions positivement. Pas de position, merci. L'adhésion à différentes associations en lien avec effectivement la délégation de Julie. Pas d'opposition, j'imagine. Merci. Les subventions de fonctionnement aux deux associations à vocation internationale, pas de questions. Adopté. Le Pass ABI, pas de questions. Adopté. Le City Pass, renouvellement de la convention avec l'Office de tourisme, pas de questions. Adopté. Les associations de commerçants, pas de questions particulières. Monsieur Guidi. Oui, je m'étonne des montants accordés qui, en fait, quand on compare 2023 et 2024 et quand on regarde la demande, les deux demandes qui sont formulées, on observe qu'on a une division par deux des montants des subventions par rapport à l'année dernière. Alors même que concernant les vitrines de Caen, on se retrouve désormais avec plus qu'une seule association de commerçants. Alors pourquoi leur donner moins maintenant alors qu'on donnait plus avant à deux associations différentes? Et concernant l'association La Tripière d'Or, je trouve dommage alors que je suis très attaché moi. Ah oui, j'aime beaucoup les tripes, voilà, mais bon, voilà. Tu n'es pas le seul. Et la Tripière d'Or s'inscrit dans une démarche aujourd'hui d'aller à la rencontre des scolaires notamment. Et je trouve bizarre qu'on décide de leur donner moins aujourd'hui qu'on leur donnait par le passé. Eh bien, voilà, Camille va répondre. Voilà, il n'y a pas de sujet. Alors, la baisse de ces subventions ne signifie en aucun cas une quelconque remise en question du rôle de ces associations. C'est juste, effectivement, en raison d'un certain nombre de contraintes budgétaires de cette année, qu'on a été en discussion avec les associations, contraintes de diminuer le montant de ces subventions. Ces décisions ont été prises après quand même étude des bilans de ces associations qui ont une excellente trésorerie qui leur permet d'absorber la diminution des subventions pour 2024. On a par ailleurs travaillé, enfin on travaille toujours avec les associations pour voir de quelle manière on peut, à défaut d'un soutien financier, accompagner de façon logistique ou en ingénierie la pérennité de certaines animations pour 2024. Par exemple, pour l'animation, pour le DIDEC qui est mise en place par les vitrines, on va apporter un certain nombre de soutiens en termes de communication et de mise en place du barriérage, tout ça, qui permet de faire un certain nombre d'économies pour la réalisation de cette animation. Concernant la fusion des deux associations, en fait, c'est les vitrines de Caen et Cœur de Caen qui fusionnent. Il n'y a pas une association qui disparaît, c'est vraiment une fusion. Cette fusion, elle permet aussi de faire un certain nombre d'économies grâce à une mutualisation de frais de fonctionnement. Donc ça rentre aussi dans le calcul. Après, la diminution de cette année n'a pas vocation à être non plus pérennisée forcément. C'est vraiment en fonction des contraintes actuelles. Et je partage l'importance de la Tripière d'Or tout à fait. Et puis, c'est pas la même réflexion pour la Tripière d'Or. Voilà. Et si l'une comme l'autre avait des projets nouveaux et qui nous paraissent effectivement mériter d'être soutenus, ils le seraient. J'ajoute aussi que on n'a évidemment pas eu la même réflexion pour les plus petites associations de quartier qui n'ont évidemment pas les mêmes niveaux de trésorerie et dont l'activité en termes d'animation est primordiale pour les quartiers. Bon, une fois qu'on a répondu à cette question, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Ensuite, l'organisation des marchés nocturnes, bon, c'est la reconduction d'un dispositif qui existe depuis un bon nombre d'années. Pas de questions, pas d'opposition. La cession des droits d'auteur sur l'œuvre de Romain Stepkov, enfin son travail photographique,
enfin, reprenant les photographies d'époque, c'est dans le cadre, vous avez vu, du 80e anniversaire. Pas de questions, adopté. L'avenant à la convention de mise à disposition au GIP millénaire, pas d'opposition, merci. Le tableau des emplois permanents, à moins que vous ayez des questions, adopté. Le soutien aux sections syndicales, c'est habituel, hein, c'est au prorata de leurs résultats aux élections. Pas de soucis, merci. Une aide à l'achat de prothèses auditives dans le cadre du FIPHFP. Pas d'opposition, merci. Les visites de l'abbaye aux hommes, pas de questions, adopté. Ensuite, on a effectivement Inolia 2, 3, 3 garanties pour des logements construits par Inolia, boulevard de Rethel, rue Ernest Manchon et rue des Fauvettes, ça c'est tout le quartier Rethel, pas d'opposition j'imagine. Et puis pour Parthélios, rue Fermat, l'acquisition de 6 logements, là on est dans le quartier Pierre-Rosé, pas d'opposition, merci. Et à nouveau Parthélios, route de Trouville à Caen, à nouveau à proximité dans l'opération Rethel. Pas d'opposition non plus. J'ai sauté la 44, allons bon. Ah, j'ai oublié le groupement de commandes. Ah oui, surtout que vous attendiez tous ça avec grande... Voilà, pardon. Donc, pas d'opposition au groupement de commandes proposé par la communauté urbaine pour les installations de climatisation, même si on n'en a en fait pas beaucoup. Pas d'opposition, adopté, merci. Eh bien, nous en avons fini avec l'ordre du jour. Bonne soirée à toutes et à tous. À la région, vous avez fini là ? Ah oui. Oui, ça, vous faites pour deux séances demain. Non.